Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue, on me voit pas encore parce que je suis encore en train de chercher ma scène. C'est terrible, voilà, le mec reprend le live. Il n'y a rien qui marche comme d'habitude, hein. On s'y attendait. Alors, est-ce que ce serait ça? Ça c'est pas mal. Et la deuxième scène, est-ce qu'elle sera... Alors attendez, en même temps je prépare les scènes comme ça, voilà, on est entre nous, on est bien, hein. Pourquoi les préparer à l'avance? Ça ne sert à rien. Donc, capture de fenêtre. Voilà. Ah! En plus, si je clique à côté, ça va être super bien. Voilà! Incroyable. Ok, mes scènes seront bonnes. Bienvenue, bienvenue. Sachant qu'en plus, je suis bête parce que j'ai une scène présentation que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà. On est sur vraiment du stream de qualité. En attendant, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Donc Pépère, je vois que tu es dans le chat et que tu me parles d'un contre-stream de Robin. Pourquoi? Parce qu'il a fait un truc sur le GIEC, c'est ça? Et que nous, on va parler d'aviation et que c'est pas forcément dans les recommandations de prendre l'avion, j'imagine. Oui, je sais, il n'y avait pas de musique parce que... Vu que je suis un streamer artisanal, je ne sais pas différencier la musique... de mes invités, vous voyez, de la voix de mes invités. Donc, tout simplement, vu que j'ai un invité qui est déjà avec moi, si je mettais de la musique, en fait, vous alliez entendre sa conversation à lui. Voilà, ce qui n'était pas forcément que je voulais. Donc, voilà. Il fait toujours des trucs sur le GIEC. D'accord, je savais pas qu'il en parlait tout le temps. J'avoue que je suis un peu moins les streams de Poxyance en général, j'ai beaucoup moins le temps récent. Poxyance qui est une communauté incroyable et dont ce stream fait partie d'un marathon. Est-ce que vous connaissez Poxyance? Voilà, et Germain Edwis qui est là dans le chat, qui est notre incroyable CM et qui va être également notre incroyable invité aujourd'hui. On va l'accueillir à peine plus tard. Puisque le stream d'aujourd'hui, on va essayer de parler aviation et écologie. Ces deux concepts qui sont un peu antinomiques, on va pas se le cacher. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de ponts. Et surtout, on va pas... Enfin, je sais pas vraiment ce que lui a prévu de dire de ce côté. Mais je sais que de mon côté, le but c'est d'être quand même assez critique envers l'aviation. Je suis fan d'aviation, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc on va parler de tout ça et on va voir comment on peut avoir peut-être un usage plus raisonné de l'aviation, etc., etc. Enfin, on verra tout ça au cours de ce stream qui devrait durer environ 2 heures avant de renvoyer chez Alice, Space Tom Alice, voilà, que vous connaissez sans doute, qui vous parlera de spatial derrière. Donc, je vais accueillir, enfin on peut accueillir Germain. Ah, voilà, on t'entend Bonjour tout le normalement. monde, je sais pas si elles sont. Et visiblement, vu la barre, le son est correct. Je vais pouvoir mettre de la musique et jauger. Donc. En tout cas, attends, je tiens à remercier. Chercheur de montagne pour le follow à la chaîne et également je leur souhaite la bienvenue dans Poxyance puisqu'ils ils viennent d'arriver dans Poxyance. C'est un collectif vraiment cool si vous souhaitez les suivre sur Twitch, mais aussi ils sont sur Twitter je crois et sur d'autres réseaux. C'est des chercheurs de Grenoble, beaucoup, et voilà, ils parlent de plusieurs sciences. Et bah d'ailleurs, est-ce qu'il parti... Je crois qu'il participe demain, non? À la fête de la Tout à science. fait, ils sont là demain pour parler de l'effet du réchauffement climatique dans les Alpes. Ok, c'est bon. Là, vous avez de la musique en background. Normalement, ça passe. Donc voilà, on va aborder plein de sujets au cours de ce live. On va reprendre vraiment les bases, alors pas de l'aviation, mais de la propulsion. Puisque c'est surtout là-dessus qu'on va s'orienter aujourd'hui, hein. On va pas se le cacher, ce qui émet les gaz à effet de serre et qui polluent dans l'aviation. Alors certes, il y a la construction des avions, tout ça, mais
Ça reste quelque chose d'assez minime quand on compare à la consommation de carburant pour faire voler un avion. Donc voilà. On va peut-être juste attendre ensemble le raid de Sabine, j'imagine, avant de commencer. Mais voilà, et oui, pour ceux qui se demandent, regardez. Parce que j'ai quand même pas fait de live depuis un bon mois et demi, je pense. Et donc, je vous avais quitté avec les cheveux bleus, à l'époque. À cause de Théo, du collectif Conscience, on en avait parlé, qui s'était dit, franchement, Robin, il est chauve. Enfin, il va devenir chauve, donc. Enfin, Gérard, pour ceux voilà, qui n'ont pas compris que je m'appelais Robin aussi. Donc, il est chauve, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire une coloration. Bleu. Voilà. Donc, il m'a fait une coloration, et le problème, c'est que ça avait quasiment décoloré au début du mois de septembre. Et bah, j'ai fait un truc très con, j'ai fait une color run. Voilà. Qui était organisée par la fac. Mais le problème, c'est que la poudre de couleur, en plus de l'eau que j'ai pris avec ma touche derrière, ça a littéralement fait une coloration qui est beaucoup plus persistante que la coloration de base. Et c'est une coloration verte dégueulasse. Alors là, elle a déjà pas mal passé, donc elle est plutôt jaune dégueulasse. Une color run, c'est comment dire? C'est une course, en fait, hein, où on court. Alors, c'est pas très long, hein, là, c'était 5 km. Et il y a des passages, des checkpoints où ils balancent de la poudre de couleur. Alors normalement c'est de la poudre qui est utilisée pour les cérémonies rituelles et religieuses, notamment en Inde par exemple. On voit beaucoup ça en Inde. Vous savez, c'est fait des couleurs où il y a des couleurs partout, etc. Je suis... Merci. Pardon. Je suis un peu malade. Merci Fiat Mini. En effet, je suis pas chauve, je suis capillairement dégradé. Mais voilà. Ah oui, t'es tombé sur une vidéo d'un jeune. Mais c'est une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne, hein, la présentation du sac d'Imatex. Et alors, c'est vraiment du bon matos. Attention, instant promo. Voilà. C'est encore mon sac de cours. Ça fait 5 ans que je l'utilise tous les jours. Ça fait 5 ans que j'utilise tous les jours que je l'ai utilisé donc pour des tas de choses que j'ai jamais pris soin avec. Hein. Littéralement, on a fait du bowling avec. Voilà, pour être honnête. Et pourtant, il est toujours en état. Donc, Doc Pépère, je te conseille d'acheter un sac d'Imatex. Ils sont vraiment solides pour le coup. Le mien, il a un peu pris tarif juste en bas là. Et ça a même pas percé en fait. C'est juste que ça a enlevé la couche du bas, mais on voit c'est la toile en fait qui est en dessous. Donc voilà. Bref, les gens arrivent, on est en train de parler de maroquinerie, c'est parfait, vraiment. Quel beau début de live. Merci Sabine pour le raid. Et bienvenue à tous dans ce live où on va parler avion et écologie dans le cadre de la fête de la science avec Germain Elvis qui est en vocal avec moi. Bonjour tout le monde. Voilà, que vous avez dû entendre. Bonjour Aetium, bienvenue Aetium également dans Poxience, puisque Aetium également, comme chercheur de montagne, vient de rentrer dans Poxience, en fait d'intégrer Poxience. Il vous parlera d'informatique sur sa chaîne, donc je vous invite vraiment à aller le suivre. Et voilà, on verra des choses ensemble un peu plus tard, il y a des choses qui arrivent notamment à la fin du mois normalement. Nous en disons. Je vais pas en dire plus, voilà, je tease un peu. Mais voilà. Alors. Et puis bah, merci et bienvenue Sabine. Je sais pas si on se connaît Sabine. Et oui, j'étais en train de me casser quand t'es arrivé, tout à fait. Voilà. Bienvenue Majouk, enfin, bonjour Majouk, parce qu'on s'est déjà vu de nombreuses fois, et merci d'être là. En coloris coyote par contre. Mais écoute, moi je trouve que le coloris patrouille de France est quand même mieux. Hein. Mais bon, voilà. Chacun ses goûts. Hein. Par contre, j'ai l'impression que le focus de la caméra est totalement dégueulasse. C'est incroyable. Donc, ensuite, Arnaud. Eh ben, bienvenue Arnaud. Je vois que c'est la première fois que tu es là. Donc, bienvenue Arnaud 1342. Voilà. Installe-toi bien.
Si tu es là, c'est que tu étais chez Sabine, donc tu dois connaître Poxian, c'est le collectif dont on fait tous partie, qui est un collectif de vulgarisation scientifique et culturelle. Vous avez des tas de sujets passionnants sur lesquels des gens font des lives. Vous avez donc, bien sûr, Sabine, vous venez de chez elle, de l'histoire de l'art, voilà. Vous avez de l'informatique, même des multisciences, du spatial, de l'aéronautique avec moi, de la littérature. On a un maker, Yodim. Pareil, Yodim, franchement, je vous invite vraiment à aller voir ses lives, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'autres mots qui désignent mieux ses lives, c'est. Voilà. Enfin bref. Vous allez voir, on est vraiment plein, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur pour ne louper aucun nouveau stream et aucun nouveau événement. Et oui, je snoblerai de faire minuit. Non, mais ça va, je me rattrape. C'est bon. Alors, mes cheveux. Voilà, pour ceux que j'ai pas vu depuis la dernière fois, parce que j'ai fait un live il y a environ un mois et demi. Entre-temps, j'ai eu un petit accident de quad. Bon, bref, j'avais l'épaule en vrac pendant quelques semaines. Donc, je n'ai pas pu réinstaller mon setup de stream et j'avais plus forcément l'envie. Et donc, entre-temps, j'ai fait une color run. C'est-à-dire une course où. À certains passages, il y a de la couleur, de la poudre de couleur qui est jetée. Et cette poudre de couleur s'est attachée à mes cheveux. J'ai pris une douche le soir et ça m'a fait une coloration. Donc, je suis maintenant coloré en jaune-vert. Voilà, depuis un mois et demi. Donc, c'était parfait. Surtout que c'est arrivé au moment de rentrer en cours, en fait. Donc, vraiment, les profs, ils m'ont vu arriver. Les profs étaient morts de rire. Les élèves étaient morts de rire. Mais bon, franchement, j'ai assuré une rigolade pendant au moins une demi-heure à tout le monde. C'était worth it. C'était worth it. Donc Pepper, voilà. Donc Pepper, je t'ai déjà vu. T'es là depuis le début. Brema Neido, bienvenue, bienvenue. Et ben, je te souhaite, vu que tu veux reprendre à streamer, je te souhaite une bonne chance sur Twitch et de faire des streams de qualité. Baleno, et Baleno, je t'ai déjà vu dans d'autres lives. Toi, je t'ai déjà croisé. C'est la première fois que t'es ici, mais alors. C'est pas une coupe aérodynamique, non. Ça, c'est juste le manque de cheveux qui est aérodynamique, Baleno, mais c'est autre chose. Faut pas en parler, sinon je vais me fâcher. Non, je rigole. Vous pouvez me vanner là-dessus, y'a aucun souci. Je rentre la seule semaine où je ne peux pas streamer. Mais tu te rattraperas la semaine prochaine. C'est bon, Aesium, t'inquiète. J'essaie de rattraper histoire de l'art. Ça c'était il y a longtemps l'histoire de l'art. C'était un live entre Sabine et Gedmazen, si je me trompe pas. Ok. Ok. Bah. Faut que. De toute façon, alors je sais pas si tu parles de Poxian, j'ai pas suivi Brahman Dao, mais en tout cas, il y a. Donc, possibilité, il faut simplement remplir le formulaire qui est sur PogScience. Donc, je t'invite à rejoindre le serveur. Et à ce moment-là, tu peux, voilà, envoyer ta candidature. Donc, on t'avait dit de ne pas foncer en quad sur barrage. C'était pas un barrage de police. Et d'ailleurs, c'était même pas moi qui conduisais. Mais on va accuser personne, hein, voilà. J'étais avec quelqu'un qui conduisait. Et qui, au lieu de tourner à gauche, de tourner à droite, a décidé de tourner à gauche dans un ravin. Et donc, on a fait un saut. Un peu moins de 10 mètres, quoi. Voilà. Bon, on a eu beaucoup de chance. Aucun de nous deux n'a été blessé. Ça aurait été une aventure à raconter parce que c'est vraiment, c'était full rebondissement. Mais je vais pas en parler ici. Donc, voilà. Bref. Ah, il a pas eu lieu le live Histoire du Lard, Sabine? Ah, merde. Ah, je croyais qu'il avait dû. Je croyais qu'il a eu lieu. Bah, Doc Pepper, ça a dû bien rebondir. C'est surtout ce qu'on a été projeté en fait. Et littéralement, la personne qui était avec moi j'étais à l'arrière, donc moi j'étais projeté loin. Et la personne qui était avec moi a été touchée au dos, etc. Donc j'ai dû en fait. Et mon téléphone a été explosé hein, durant le vol. C'est-à-dire que moi aussi j'ai un Galaxy Z Fold, mais. Parce que. Enfin, vous le verrez peut-être pas, mais il est vraiment plié. Mais. Le problème, c'est que c'était pas un modèle fait pour être un Z Fold de base. Donc, il n'a pas trop aimé. Et ensuite, eh ben, c'est parti en. Enfin voilà, c'est toute une aventure à base de Suisse, de voitures de rallye de collection, de sang dans les villages sans ceinture parce qu'il n'y avait pas de ceinture, de penser mourir plusieurs fois. Enfin bref, c'était sympathique.
toute une aventure. Bref, on va peut-être revenir au sujet principal de ce live, qui n'est pas ma coiffure ou le quad. Ça pourrait faire des lives intéressants, mais ce n'est pas le sujet. Alors... Il manquait des ailes pour faire un avion sur ce quad. Ouais, mais alors franchement, c'était la... À part en avion, c'était le plus long vol en véhicule motorisé que j'ai fait de ma vie. Hein. Donc, c'était une expérience. Voilà, je passerai dans la catégorie expérience. J'ai préféré le parapente, quand même. La chute est moins violente, quoi. Bref. Donc, tout ça pour revenir au sujet. Aujourd'hui, on va parler avion versus écologie. C'est marqué juste là. Là, si vous arrivez à lire. Voilà. Parce que je parle sur ma chaîne principalement d'aviation, pour ceux qui arriveraient, mais également de culture via un concept sur GeoGuessr où, en fait, j'ai une carte avec 850 lieux maintenant, plus de 850 lieux en France, intérêt scientifique, culturel, historique, et en fait, on fait des parties GeoGuessr là-dessus, et en même temps, j'explique l'intérêt de ces lieux. Voilà. Et bah écoute, non, mais ça va, en vrai, j'ai pris un peu cher à une épaule, mais j'avais rien de cassé, j'avais rien de... C'était juste des contusions internes. Donc voilà, pendant un mois, ça a été douloureux, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc c'est bon. Alors. Hop. J'en profite pour regarder. Donc on va commencer tout de suite notre live en parlant... En prenant la base pour comprendre pourquoi un avion ça pollue. Voilà, de base. Parce qu'on peut pas. Je pense qu'on est d'accord, Germain, on peut pas nier qu'un avion c'est quand même. Bah, comme une voiture, comme machin, ça pollue rien que par oui. Ses émissions. Oui, brûler un dérivé pétrolier, en général c'est pas trop cool. C'est pas ouf en effet. Donc, je vais reprendre ça. Et. Je vais donc déjà on va regarder un premier système de motorisation qui est le moteur. Il y a deux types de moteurs thermiques. On va parler pour l'instant du moteur à combustion interne ou moteur à piston comme beaucoup de gens l'appellent en fait. Ce qu'il y a dans la plupart de voitures, si vous n'avez pas une voiture électrique. Il y a ça dans la plupart des voitures, il y a ça dans toutes les motos, il y a ça dans énormément de choses. Enfin, dans quasiment tous les véhicules à moteur en fait qu'on a ont des moteurs avec des pistons parce qu'il y a un deuxième type de moteur thermique, enfin il y a même trois types, mais il y a un deuxième type qui est utilisé dans l'aviation qui est le turboréacteur. On en parlera juste après. Donc au début de l'aviation, on va commencer avec des moteurs thermiques. Donc on va avoir deux types de moteurs déjà qu'il faut bien différencier. C'est déjà qu'est-ce qu'un moteur à piston. On va avoir je vais vous chercher une image. Ce que vous allez voir pendant qu'il cherche, c'est que bah, globalement, un moteur d'avion, c'est pas loin de marcher un petit peu comme un moteur de votre voiture. Donc au début, on va vous expliquer comment ça marche un moteur de voiture. C'est ça. Là, c'est totalement un moteur de voiture. Donc un moteur à piston, ça marche tout simplement avec... Alors, je monte sur l'écran, c'est totalement débile. Hein, voilà, j'ai une souris pour montrer. On va essayer de trouver vraiment un truc schématique, parce que là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est pas les temps, c'est vraiment c'est l'intérieur d'un moteur. Je vais essayer de vous trouver ça de manière intéressante. Ça, ok, la qualité est pas ouf. Ça, voilà. Alors typiquement ça c'est un Shiba hein, qui est donc un moteur, ça marche comme ça. Vous avez ici un piston qui va faire des allers-retours. Voilà. Même principe qu'une locomotive à vapeur, par exemple. On voit les gros pistons sur les côtés des locomotives à vapeur qui font des va-et-vient. Et ensuite, via ce qu'on appelle le vilebrequin qui est ici en bas et une bielle, ce qu'on appelle donc un système bielle-manivelle en construction mécanique, on va transformer un mouvement linéaire, donc au bas du piston, en un mouvement circulaire qui ensuite va permettre de faire tourner les roues. Tout simplement parce que les roues elles tournent en rond, elles font pas des va-et-vient. Sinon ça se courait un peu la voiture quoi. Donc ça c'est simplement qu'est-ce qu'un moteur à piston. C'est un moteur qui a dedans un piston. Et le piston il est chassé par une explosion qui a lieu ici dans la chambre de combustion qui est au-dessus. Et cette explosion
elle va dilater l'air. Faut bien comprendre qu'on va essayer d'extraire une énergie. Donc là, pour le coup, on va faire brûler du carburant et du comburant, donc de l'air. Et ça va nous créer de l'énergie thermique qui, vu qu'elle ne peut pas. Enfin, ça va nous créer d'énergie, on va dire plutôt. Et vu qu'elle est dans un milieu fermé, ça va nous créer une énergie thermique et une énergie de pression, puisque c'est fermé. Or, on va détendre ce gaz qui va le refroidir, donc prendre l'énergie thermique et prendre l'énergie de pression. Et quand il se détend, et ben en fait, il pousse le piston par sa détente. Voilà. C'est littéralement, c'est une question d'énergie. Hein. C'est voilà. Et ensuite, donc les gaz sont expulsés, etc. Mais ça, on va voir les deux systèmes ensuite qui existent pour des moteurs à piston. Le plus connu et le principal utilisé, c'est le moteur, donc ce qu'on appelle 4 temps, que vous connaissez sans doute, qui utilise, donc on va aller sur Wikipédia, parce qu'ils ont un schéma qui est vraiment bien, qui est animé. Voilà. Donc on va avoir ici 4 temps qui vont donc avoir chacun un rôle. Le moteur 4 temps, il a de nombreux avantages par rapport à un autre type de moteur qu'on appelle le moteur 2 temps. Donc en aviation, on va avoir, alors voilà, on a les étapes au-dessus. Étape 1, on a une injection. Donc là, on va venir injecter. Alors, on parle d'injection, parce que maintenant, on a des injecteurs sur les moteurs, mais à l'époque, et très simple, c'était, enfin, à l'époque, pour faire plus simple, on avait ce qu'on appelle un carburateur. Donc, c'est un truc qui mélange l'air et l'essence avant. Et donc, simplement, on ouvrait une soupape d'admission qui va, grâce au mouvement de recul du piston, aspirer de l'air. Voilà, parce que, comme vous comprenez, une seringue. En fait, vous prenez une seringue, quand vous tirez sur la seringue, bah ça pompe. Bah, là, ça fait pareil, ça pompe l'air. Hop, à l'intérieur. Ensuite, la soupape se referme. Ça monte, ça compresse. Une fois que le mélange est bien compressé, il y a une étincelle dans un moteur à essence. Si c'est un moteur diesel, il n'y a même pas d'étincelle. Donc, on va avoir une étincelle, explosion. Et là, bah, le système, comme je disais, de l'énergie qui est libérée, ça va faire redescendre le piston. Le piston redescend. Une fois qu'il arrive en bas, il va remonter par l'inertie, l'inertie du vilebrequin qu'on voit ici en bas. Il remonte par l'inertie, on ouvre la soupape d'échappement qui va faire partir le gaz d'échappement. La soupape se referme et au moment où ça redescend, on rouvre la soupape d'admission. Il y a de l'air avec du carburant qui rentre dedans. Et ainsi de suite. C'est quand même assez complexe. Et donc, on va avoir un deuxième type de moteur qui est plus simple, qui est apparu après, il me semble, malgré tout, mais quand même qui est plus simple, surtout qui a été utilisé au début de l'aviation, puisqu'il était simple, léger et plus puissant par sa ma enfin, par rapport à sa masse. Voilà. Et c'est le moteur, ce qu'on appelle le moteur 2 temps, qui est encore utilisé dans beaucoup de motocross, par exemple, ou de tondeuses, de tronçonneuses, voilà, ces petits moteurs-là qui ont besoin de beaucoup de couple. On va utiliser des moteurs 2 temps, puisque c'est plus efficace pour ces usages-là. Problème, c'est qu'un moteur 2 temps. Alors, moteur 2 temps. Le moteur 2 temps, le problème, c'est qu'il va être plus polluant parce qu'on va avoir beaucoup plus d'imbrûlés déjà, et donc il va aussi plus consommer parce qu'on va avoir plus d'imbrûlés, et puis on va également avoir de l'huile qui va être brûlée. Le moteur 2 temps, lui, il n'a pas les 4. Donc, c'est-à-dire qu'il va pas avoir admission, compression, explosion, échappement. Lui, il va avoir simplement une montée du piston qui va compresser l'air dans la chambre. Cette compression de l'air dans la chambre, ensuite, on va faire une étincelle, ça va pousser, ça va exploser, ça va pousser le piston en bas. D'abord, on va avoir une ouverture en bas qui va permettre ici de faire partir les gaz d'échappement. Et une fois que le piston dépasse ici, on va avoir donc le dé On va avoir une admission d'air avec du carburant à nouveau. Mais comme on peut voir, en fait, le système est fait de telle manière à ce que le carter, ce qu'on appelle le carter, donc qui est en bas, communique avec l'admission. Et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de consommation d'huile. Voilà. Et non, c'est 2 temps de mouvement de Pépère là, directement. Alors, le carburateur consommait beaucoup plus, non? Alors, pas forcément. Il faut savoir que beaucoup d'avions, encore modernes, utilisent des carburateurs, les avions de tourisme. Hein. Non, ça consomme pas tant que ça. C'est simplement que le carburateur va avoir un gros souci en aviation,
qui va être, alors là on parle dans un truc technique, plus, ça va pas être long, mais ce qu'on appelle le givrage carbu. Le givrage carburateur, c'est le carburateur, il va utiliser pour pouvoir emmener l'air, en fait c'est un effet, ce qu'on appelle effet Venturi, pour emmener le carburant dans l'air et le diluer, c'est ce qu'on appelle un effet Venturi, donc on va avoir une réduction, comme si on avait un tuyau, en fait il faut imaginer le tuyau d'arrivée d'air, et ensuite ça réduit de diamètre, et donc l'air accélère et surtout baisse en pression. Et vu qu'il baisse en pression, il aspire. Et donc vu que l'air aspire, on a à cet endroit-là le truc qui envoie du carburant, et là ça aspire le carburant tout seul. Problème, c'est que vu qu'on a une réduction, une perte de pression, on a également une perte de température. Principe d'une bombe de chantilly, vous prenez une bombe de chantilly, même relativement chaude, vous l'utilisez, et vous verrez qu'à la fin, si vous la videz complètement, elle sera vraiment froide, alors qu'elle n'était pas froide au départ. C'est la dépression du gaz, en fait, qui va faire ça. Donc c'est le même principe. Et du coup, quand on est dans un air assez humide et assez froid, on va avoir de la glace qui va arriver au carburateur, et à ce moment-là, on n'a plus d'entrée d'air, plus d'entrée de carburant, et le moteur cale. Ce qui peut être un peu gênant, surtout que ça arrive principalement quand on met haute puissance, en fait. Parce que plus on va mettre de puissance, plus cet effet Venturi va être important. Donc ça arrivait principalement au décollage, par exemple. Ce qui, avoir un moteur qui cale au décollage n'est pas forcément la meilleure idée. Mais beaucoup d'avions ont encore des carburateurs. Par exemple, les avions que nous on utilise en aéroclub, eh ben, ils vont avoir ces carburateurs-là. Mais l'hiver, quand il fait trop froid, on va voler avec des caches dans les entrées des radiateurs, en fait, pour réchauffer plus le moteur, en fait, ou du moins moins le refroidir, et ça permet du coup d'éviter au maximum ce givrage. Et en plus de ça, on a des résistances dans le carburateur qu'on peut activer depuis la cabine. Ça fait perdre beaucoup de puissance parce qu'on a ça plus, c'est un double système, donc des résistances et également de l'air de l'échappement qui est renvoyé dans le moteur, enfin dans le carburateur, et donc après dans le moteur, donc on perd beaucoup en puissance. Mais par contre, ça permet de dégivrer rapidement avant le câblage du moteur. Donc voilà. Mais après voilà, donc c'est quand même, ça consomme plus, mais c'est pas non, pour la plupart des choses, pour la plupart des utilisations, c'est pas non plus si important. Du moins en dehors de l'aviation de ligne. C'est sûr que dans l'aviation de ligne, on va chercher vraiment très rapidement à avoir de l'injection parce que on cherche à maîtriser la consommation du carburant au maximum pour réduire les coûts, en fait. Parce que l'écologie, au début, on va pas se cacher, hein, c'est très récemment que l'écologie est devenue quelque chose d'important pour les constructeurs aériens. C'était avant l'économie de carburant pour des questions simplement économiques. Si je peux rajouter une petite précision, pour à la fois revenir à nos moutons et un petit peu réexpliquer le deux temps. Le moteur de temps, vous voyez là qui tourne, globalement, les quatre temps dont on a parlé avant, ils y sont encore. C'est toujours les quatre temps, mais il y a toujours deux temps en même temps qui se font. C'est pour ça que c'est cumulé. Il y a toujours une admission, une compression, une explosion détente, ça fait un temps, et un échappement. Tout à fait. Ces quatre temps-là, ils se passent la plupart, là, les deux en même temps, dans ce cas-là en même temps, et sur un avion à réaction, vous verrez, c'est la même chose. Exactement. Admission, compression, explosion, détente et échappement. Et donc, on va avoir, comme je disais, plusieurs types de... Donc, au début de l'aviation, plusieurs types de moteurs. La consommation n'était pas quelque chose d'hyper important. On cherchait surtout de la puissance, au final. Et donc, on va avoir d'abord des moteurs de temps. Très rapidement, on va commencer à avoir des moteurs 4 temps. Il faut savoir que le premier vol d'avion, d'ailleurs, était un moteur 4 temps. Hein. C'était celui des frères Wright. Avait un moteur 4 cylindres à plat. Mais c'est un 4 temps. Donc à plat, c'est-à-dire que les cylindres sont... Il y en a 4, ils sont montés 2 par 2 comme ça, en fait. Voilà. Vraiment. À plat. Ensuite, très vite, on va avoir des moteurs en V. Notamment, très connu, le moteur Antoinette 8V. Antoinette 8V, voilà, qui est donc ce moteur là, qui est le moteur de l'avion Antoinette, hein, mais qui n'a pas été, donc là par exemple c'est monté sur un avion, qui est un des premiers avions de production au monde,
Et qui était donc, comme on peut voir, un moteur ce qu'on appelle en V. Donc on voit bien que là on a 8 cylindres qui sont donc montés de part et d'autre. Alors on va essayer de zoomer sur cette. Voilà. Donc on a bien les 8 cylindres. Ici on voit qu'on a l'échappement par là. Donc on voit les 8 échappements. Et ici c'est. Donc là ça c'est. Comment? Merde. C'est justement ce qui vient apporter l'étincelle. La bougie, pardon. Voilà. C'est la bougie et on a l'admission qui est au-dessus ici et qui est à faire là tout simplement. Voilà, donc tout est regroupé ici dans ce bloc-là. Le fonctionnement interne du 8V, je ne le connais pas pour être honnête, mais c'est vraiment un des premiers moteurs de production pour l'aéronautique. Ensuite, on va passer très rapidement, la technologie va évoluer et on va avoir l'apparition de deux nouveaux types de moteurs qui sont les moteurs rotatifs, qui ont été très utilisés durant la Première Guerre mondiale, notamment les Gnome. Donc les moteurs rotatifs, ça c'est un moteur rotatif Gnome par exemple, ils avaient une particularité, c'est que littéralement le moteur tournait. On va essayer de trouver une vidéo. Attendez, parce que... voilà, là par exemple on a... Je pense que c'est une vidéo... Bon, ça dure longtemps, mais... Hop, voilà. Donc là, on va voir. Vous allez voir comment ça marche. Voilà, et on voit que le moteur, lui, va tourner littéralement autour de l'avion. Et c'est comme ça que qu'il fonctionne. C'est très particulier. Ça permet d'optimiser le refroidissement, etc. Ça a une très grande inertie, donc ça évite les calages. Par contre, donc voilà, là on le voit qui tourne à haut régime, vous voyez. C'est assez impressionnant, hein, d'avoir le moteur qui tourne comme ça. Par contre, ça avait tendance à être moins fiable dans le temps, à s'user plus vite, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment les avions de la Première Guerre mondiale qui utilisaient beaucoup des moteurs rotatifs. Hop. Et ensuite, on va avoir donc des moteurs en étoile, les fameux moteurs en étoile qu'on connaît. Donc, les moteurs en étoile, eux, ils ne sont pas rotatifs. Donc voilà comment ça fonctionne. Pareil, ça c'est un gif qui est vraiment bien pour comprendre. On va simplement avoir des pistons, mais simplement ils sont montés en étoile et ça va faire tourner au milieu le vilebrequin. Donc c'est pas du tout le même système que l'autre. Alors le Wankel, pour ceux qui ne connaîtraient pas le moteur Wankel, c'est notamment c'est un moteur, mais qui a une forme de triangle à l'intérieur. Et ce moteur-là n'a jamais été utilisé en aviation. Du moins à ma connaissance. C'était un peu utilisé en voiture, mais c'est un tout autre système de moteur rotatif. Ça n'a rien à voir. Là, c'est le piston qui tourne, entre guillemets, alors que dans l'autre cas, c'est tout le moteur qui tourne. Voilà. Voilà, et un cataplat comme le boxeur de Porsche, mais pas la même cylindrée, surtout pas la même puissance. Parce que les puissances volumiques de l'époque étaient pas ouf. D'ailleurs, à part Mazda et Essium, je vois peu d'entreprises qui ont utilisé des moteurs rotatifs, pour être honnête. Voilà. Hop. Donc, là, on a vu les moteurs à combustion interne. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. J'espère que vous avez compris un peu comment ça marchait. Et donc, on va quand même regarder aussi un autre moteur qui est extrêmement connu. Enfin, deux autres moteurs. Celui du Spitfire. Le moteur Merlin. Comme Merlin l'enchanteur. Mortain. Bien sûr, j'ai fait un mélange. Merlin. Un V12. Donc, voilà. Qui est absolument incroyable. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi un moteur fusée. J'avais oublié les détails, on n'en parlera pas. Mais donc voilà, le moteur du Spitfire, c'est un truc, c'est énorme, hein, comme c'est la puissance dégagée, c'est pas loin de 1000 chevaux, je crois. Ou même plus, attendez. Ouais, 2000 chevaux au max, hein, voilà. Mais voilà, les premières, par contre, c'était quand même beaucoup moins. 790 chevaux, on voit.
Et lui, dans les films, la technologie des moteurs rotatifs dans les voitures, c'est plus utilisé. Surtout l'entretien, et puis l'entretien qui est un enfer sur ces voitures-là, enfin, c'est terrible, vraiment terrible. Parce que les pièces doivent être usinées très précisément, etc. Alors qu'un moteur à combustion interne, c'est très simple au final. Ça paraît hyper compliqué de loin, de l'extérieur, mais c'est extrêmement simple. Après, l'optimisation est très complexe derrière, mais le moteur lui-même est très simple. Donc, ça, c'est le moteur Merlin qui était extrêmement connu dans l'aviation. À savoir que donc pendant la Seconde Guerre mondiale, on va avoir vraiment l'apogée des moteurs à piston en aviation, avec donc des moteurs en étoile, des moteurs en V principalement, quelques moteurs en ligne, les Américains. Et là, on va avoir des moteurs qui ont des puissances énormes, qui vont être encore utilisés un peu après la guerre, pas par l'armée, mais par l'aviation civile, qui va faire des avions de ligne transocéaniques qui vont être capables de traverser l'Atlantique. Par exemple, Constellation et le Super Constellation. Super Constellation. Voilà, qui ont des moteurs absolument énormes et qui étaient capables de traverser l'Atlantique, tout simplement, à l'époque. Donc là, on est dans les années 50. Hein. Et c'était les derniers, c'était vraiment la fin des avions à hélice de ligne long courrier. Et ensuite, on va arriver sur une autre technologie totalement différente que vous avez déjà vue partout, c'est le réacteur en fait, le turboréacteur. Donc, on va commencer avec des turboréacteurs dans l'aviation militaire, puis très rapidement dans l'aviation civile avec l'apparition du Comet. Donc, turboréacteur simple flux, pour l'instant, on va commencer. Le turboréacteur simple flux, c'est le plus simple. Alors, on va quand même en prendre un. On va déjà en prendre un assez simple. Hop, celui-ci est très très simple. Hop, voilà. Alors, celui-ci, on voit, c'est ce qu'on appelle un donc monoétage et monoflux. Voilà, ce qui est très enfin, simple flux. Ce qui est le type le plus simple de réacteur. On a dans un réacteur de l'air qui rentre par l'avant, grâce à la vitesse relative de l'avion et au démarrage, grâce à l'aspiration que crée le moteur. Cet air rentre, il y a des pales à l'intérieur et on voit que la section réduite du moteur, voilà, ça fait un triangle. Comme ça, en fait, ça va comprimer l'air dedans et surtout ça va l'accélérer à haute vitesse parce que il faut que la même quantité d'air passe ici que ici. Sais pas si c'est quelque chose à dire, Germain, parce que j'ai entendu un bruit. Non, non, non. Non. Ok. Globalement, pour l'instant, c'est la rotation du moteur qui va faire Voilà. avancer ça. Donc, Comment ça tourne, ça se passe plus tard. voilà, donc ça, voilà, donc là, on a ça qui va aspirer l'air en gros. Ensuite, derrière, on va avoir une injection de carburant et ça va brûler dans une chambre ici. Cette chambre, ça va faire comme dans un moteur thermique classique, comme dans un moteur à piston. En fait, ça va créer explosion détente, comme tu disais tout à l'heure. Ce cycle, enfin, unique, hein, c'est une seule étape. Mais là, il faut pas le voir comme une explosion confinée dans un espace. C'est un peu plus libre. Donc en fait, les gaz vont se dilater, mais vont partir très vite vers l'arrière du réacteur. Et donc ça va partir très vite, ça va passer dans des aubes d'une turbine. Les aubes d'une turbine, c'est en gros un ventilateur à l'envers. Voilà. Si vous soufflez très fort sur un ventilateur, eh ben ça le fait tourner. Dans le sens, alors, ne le faites pas parce qu'il y a un moteur, donc si vous il faut le débrayer pour ça, etc. Mais dans l'idée, si vous soufflez très fort, ou les petites, vous savez, les petits jouets qu'on a, enfin que les enfants avaient, parce que maintenant ça se fait quand même beaucoup moins, où on souffle dessus et ça tourne. C'est le même principe en fait, tout simplement. Et donc ça va tourner. Le fait qu'on a injecté du carburant, on a augmenté l'énergie disponible par rapport à l'avant. Donc ce qui fait qu'on va récupérer une partie de cette énergie pour à nouveau aspirer via cet axe ici, voilà, donc qui est là, au milieu, en rouge, et ça va venir faire retourner les aubes à l'avant qui vont venir aspirer de l'air, etc., etc., etc. C'est un cycle complet. Et à l'arrière, on va avoir, et c'est ça qui va vraiment faire avancer l'avion, on va avoir une poussée, en fait. La puissance qui n'est pas dissipée dans la turbine, pour faire tourner l'avant, eh ben, elle est dissipée autre part, et donc elle est dissipée dans l'air ambiant, sous forme de propulsion. Action. Réaction. Est-ce que j'ai un ballon?
Malheureusement, j'en avais très récemment et je les ai plus, je les ai ramenés à la fac, je crois. Ah mince, ça a trop fait la fête. Ouais. Je crois que je les ai Bon. ramenés à l'assaut. Après, je crois que tout le monde a Mais été tout le monde joué voit. avec des ballons et il a comprimé un petit peu de l'air dedans et il a lâché et a vu ce que ça a fait. C'est ça. Donc voilà, ça part, le ballon part, et ben c'est le même principe, sauf que ça part pas n'importe comment, parce que c'est... Bref, on va pas parler de ça, parce que c'est rigide, etc., mais parce qu'on s'en fout, c'est pas le principal. Et donc derrière, on va avoir un deuxième type de réacteur qui va apparaître, qui est ici. Turbine, enfin réacteur double étage, avec ce qu'on appelle un compresseur basse pression et un compresseur haute pression. Donc... Ici, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir un seul étage ici, on va en avoir deux différents. Le compresseur basse pression va déjà premièrement comprimer et accélérer l'air, à peu près au même niveau que le compresseur de base qu'on avait sur les premiers réacteurs. Et ensuite, on va encore plus le comprimer, parce que plus on va comprimer, plus on va accélérer cet air, plus on va obtenir de la puissance derrière, disponible. Et donc on va encore plus le comprimer via un compresseur haute pression derrière la chambre de combustion. Et ensuite on a les deux étages qui viennent récupérer de l'énergie à l'arrière. Voilà. On voit que les deux arbres, c'est assez... Alors ça, ce sont des très belles pièces en ingénierie parce qu'en fait les deux arbres sont l'un dans l'autre. Voilà. Pour tourner. Donc le basse pression est à l'intérieur du haute pression. Tourne autour. C'est des assemblages vraiment, vraiment Ça leur intéressants. permet de tourner à des vitesses différentes, Ouais. ce qui peut être important pour comprimer mieux. Bah, les compresseurs haute pression ont tendance à tourner plus vite, il me semble, que les compresseurs basse pression, si je dis pas de bêtises. Il me semble aussi. Et donc, bah, toujours pareil, c'est ensuite éjecté à l'arrière. Et ensuite, on va avoir le double flux. Donc maintenant, on va passer en double flux. Merci. Bon, ça va, il a compris ce que je voulais lui dire. Double flux. Bon, bah, on va toujours prendre le même site. Ils sont pas mal, leur schéma. On a le réacteur de base ici. Sauf que l'étage qu'on peut voir. Donc là, on a l'étage haute pression qui est ici. Mais l'étage basse pression, il est relié à l'arrière, mais il est relié beaucoup plus à l'avant. Beaucoup plus grand. Et en fait, on va venir, grâce toujours à de l'effet Venturi, à un effet d'aspiration, on va venir donc propulser de l'air autour du réacteur simple flux, de une espèce de cage, et à l'arrière, il va être entraîné par le flux qui sort du réacteur simple flux. Et en gros, ça consomme pas plus de carburant, mais on obtient plus de poussée, et c'est plus économe. Beaucoup d'avions, la quasi-totalité maintenant des avions, sont avec des. Alors dans le civil, c'est tous, ont des réacteurs double flux. Et dans le militaire, beaucoup d'avions, même dans le militaire, ont des doubles flux, désormais. Voilà. Parce que ça consomme moins et ça rajoute de la puissance. Donc voilà. Je sais pas si tu as autre chose à dire. Globalement, bah, t'as tout dit, juste à dire que le double flux, enfin, faut vraiment dire que le double flux, il réduit énormément la consommation. Ouais. Et par des optimisations de forme et diverses choses, que ce soit des pales, du carénage ou autre, y a encore beaucoup de marges qui ont été prises pour réduire la consommation tout en ayant une puissance égale. Donc, comme sur vos voitures. Même puissance, mais vraiment une consommation très différente. Ce double flux-là a un autre avantage, c'est que le flux froid là qui est autour, il englobe un petit peu à l'arrière le flux chaud, qui lui vient de subir une explosion et qui est bruyant. Globalement, c'est lui qui fait le bruit de l'avion et du moteur. Avec le flux froid autour, ça réduit le bruit aussi de tout l'avion. Que ce soit ressenti par les passagers ou au sol quand l'avion passe un peu trop bas. Ok, très bien, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire également? Alors, non, je voulais pas parler des scramjets, on s'en fiche dans le truc actuel. Vas-y.
Globalement, là, jusque-là, à chaque fois, on utilise un carburant, un dérivé de pétrole, là, du kérosène dernièrement, et un comburant qui va être l'oxygène de l'air qu'on absorbe. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi on utilise du pétrole et pas autre chose? Voilà. Et je crois que tu avais la solution pour ça. Le Donc pourquoi, la maintenant, raison. le pourquoi. Alors maintenant, on va parler justement à rentrer dans le vif du sujet, parce que là, c'était une explication de base qui nous paraissait importante pour comprendre pourquoi un avion pollue. Voilà. C'est parce qu'on crame des trucs dedans. Tout simplement. Si vous cramez des pneus derrière votre dans votre jardin, c'est interdit. Et en plus, ça fait de la fumée noire parce que ça pollue énormément. Donc là, c'est le même principe. Donc la première étape qu'on a eue pour moins polluer, ça a quand même été de faire des réacteurs à double flux. Ça, c'est arrivé dans la version commerciale fin des années 70, début des années 80. Avant, on avait des avions. Si on regardait les images, genre Boeing, on va regarder un Boeing 707 par exemple, qui est le premier avion américain en vol, enfin, à réaction, pardon, de transport. Alors là, on le voit un peu, mais l'image n'est pas d'assez bonne qualité. J'essaie d'avoir au décollage, là, on le voit aussi un peu. Ça Ouais, fume noir. c'est ça, Mais ça. Au décollage, ça fumait énormément noir. Et Boeing était très connu pour la fumée noire d'ailleurs. j'essaie de trouver Boeing 707, je vais mettre fumée. Alors, non, ça c'est un autre type de fumée, ça. C'est pas forcément ce qu'on voulait. Non. Je vais mettre décollage. Voilà. Voilà, par exemple là on voit bien, alors c'est sur un avion militaire celui-là, mais on voit bien. Les traînées noires ici aussi, hein, qui sont dégagées. Voilà, alors, cette image elle est extrêmement connue. C'est un peu abusé la fumée que ça pouvait dégager. Donc là, on comprend bien qu'il y a une énorme pollution. Toute la fumée là qu'on voit, c'est du carburant à brûler et ça pollue énormément. Donc, avec les doubles flux, on a plus ces traces noires là. Regardez toutes les photos qu'on a. Bref, c'était une autre époque. Et donc, il faut. Alors attends, je regarde un peu notre plan. Donc, on brûle actuellement dedans du kérosène depuis quasiment. Alors, pas dans les moteurs à combustion interne, on met pas du kérosène. Il faut savoir que. Enfin, certains mettent du kérosène, c'est très rare. La plupart des moteurs à combustion interne utilisés en aviation utilisent, à part dans les Zeppelin, mais littéralement du sans-plomb. Carburant de voiture. Là, faut le savoir, hein, ce sont des moteurs automobiles, hein, qui sont fiabilisés, mais qui sont littéralement des moteurs automobiles. Et donc on va utiliser beaucoup de kérosène. Alors la consommation de kérosène, j'avais trouvé des données de l'Agence de l'énergie américaine. Non, c'était pas ça. Ah. Consommation kérosène. Voilà, c'est bon. Alors, non, c'était pas là-dedans. Donc voilà, cette source-là. Hop. Donc, du département de l'énergie américaine. Et donc, on est sur une consommation. Là, c'est la consommation en millions de litres par jour. J'avais calculé, ça fait environ 586 milliards de litres de kérosène utilisés chaque année en 2020. Voilà, dans l'idée. Et donc T'as une c'est idée de ce que ça, de ce que c'est par rapport à la consommation de carburant en voiture? Qui se Oui. recoupe peu. Alors, justement, on va regarder. J'avais fait. Alors, je vais juste prendre le temps parce que j'avais fait un peu. J'avais préparé quelques slides avant, au cas où en dépannage. Et j'en avais notamment une. Alors, attendez, voilà, c'est du. Hop. Donc, on avait ça. Voilà, 584 milliards de litres par an, c'est ce que je disais. Et j'avais pris ce système-là. Alors, on voit qu'il y a différents points de vue. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire vraiment cette slide-là, pour parler des choses. Et donc, on voit. Alors là, on parle pas de consommation, mais c'est quand même relativement lié, hein, consommation et émission. Pas se cacher. Donc, on voit que en Europe. Les transports, ça représente 28,5% des émissions de gaz à effet de serre. La voiture, c'est 20,5%. Et l'aviation, c'est environ 4%.
voilà, du CO2, qui est, enfin des émissions de gaz à effet de serre, pardon, qui sont émis en Europe. Alors là, on parle vraiment en Europe, pas dans le monde, hein. Mais le ratio, d'ailleurs, le ratio, il faut savoir, est plus important pour la voiture dans le monde, hein, parce que en Europe et aux États-Unis, on est des pays, enfin, on est des zones où il y a énormément, l'aviation a un très grand rôle. Vous allez en Afrique, en Amérique du Sud, et même en Asie, d'une certaine façon, un peu moins en Asie, mais d'une certaine façon, l'avion est beaucoup moins utilisé par rapport au nombre de voitures qu'il y a, et donc ça réduit. C'est pour ça qu'on a d'autres chiffres comme ici, par exemple, le GIFAS, qui nous sort à moins de 3% des émissions de CO2 sont liées à l'aviation. C'est tout simplement parce que là, on prend les données à l'échelle mondiale. Voilà. Et donc ça réduit un peu. Ça représente encore une pollution énorme, hein. On va pas se cacher. Le truc, c'est que j'avais également vu donc passer que, par exemple, ça représentait pour chaque Français, hein, et là on parle de Français, on parle même pas d'usagers d'avion, pour chaque Français, c'est quelque chose comme une demi-tonne de CO2 chaque année qui est mise par les avions utilisés par des Français. Donc le peu de Français qui voyagent, si on répartit ça sur toute la population, ça représente quand même une demi-tonne de CO2 par personne. Ce qui est énorme. Ouais, on voit bien là sur tes graphes que bien qu'il y ait moins d'émissions par les avions, voilà. Ça s'explique, on le voit sur la partie de droite là, que ben, en fait un avion en fait il pollue beaucoup plus par passager quand il est plein qu'une voiture pleine. C'est ça. Aussi. Vous savez tous que toutes les voitures sont pas pleines, mais bon, admettons qu'elles soient toutes pleines. En fait, c'est juste qu'il y a moins de passagers d'avion au monde, quoi. Il y a plus de passagers de voiture que de passagers avion. C'est exactement ça. Et donc, on voit qu'on a beaucoup de consommation, mais surtout beaucoup de pollution qui est engendrée par l'aviation. Alors, ok, il y a des signes d'amélioration, mais ça, pareil, c'est le GIFAS. Donc ça, le GIFAS, ce sont les industriels de l'aviation, notamment. Donc eux, ils vont essayer, c'est pour ça, c'est vraiment, eux, ils vont dire, ok, on va essayer d'avoir un truc qui va les dédouaner un peu, forcément. Ils vont pas forcément mentir, mais ils vont montrer le bon côté des choses. Non, comme sur un CV, on ne ment pas, on omet des trucs qui permettent de mieux faire passer la pilule. Par exemple, ce moins 50% par passager au cours des 30 dernières années, bah il y a eu les doubles flux qui sont apparus, enfin qui ont vraiment été démocratisés. Donc oui. C'était assez évident. On prend, à la place des 30, tu mets les 20 dernières années, le moins 50, il doit tomber vraiment beaucoup plus bas. Hein. On doit être peut-être à 20% max. Vraiment max. Ouais. Donc voilà, tout est relatif. C'est comme ici, donc chaque nouvelle génération d'avions émet 15 à 20% de CO2 en moins que la précédente. Oui, mais il y a toujours plus d'avions. Donc ça répond pas forcément. Enfin. Voilà, les émissions liées aux avions ne réduisent pas forcément. On parlait des quantités, il y a deux façons d'agir sur la réduction des émissions. C'est améliorer l'efficacité des moteurs pour qu'ils polluent moins ou qu'ils consomment moins, ou réduire le nombre de vols. Tout simplement, ouais. C'est les deux leviers. Et donc donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir donc que c'est lié vraiment. Les émissions en fait de gaz à effet de serre, donc, par rapport au transport aérien, on voit les photos dans les années 70 de ces énormes panaches de fumée. Il faut savoir que l'avion n'a jamais autant pollué qu'aujourd'hui. Au global, hein. Au niveau des émissions, ça n'a jamais autant pollué qu'actuellement. Simplement parce qu'en fait, la réduction de la pollution au niveau de chaque avion a été beaucoup plus lente que l'augmentation de la masse, enfin de la masse, du nombre d'avions. Quantité d'avions. Voilà, une quantité de vols. Et de vols. Et le problème, c'est que, on arrive un peu au bout de l'optimisation des réacteurs. Voilà, on va pas se cacher. Les réacteurs à kérosène, maintenant, quand on arrive à choper 1-2% de moins de consommation au niveau vraiment du réacteur en lui-même, on est content. Donc, on est même vraiment très content. Donc, ça devient très compliqué d'avancer dans ce domaine-là. Par contre, les vols, eux, augmentent encore de manière exponentielle. L'Afrique est extrêmement peu desservie en vol.
Et on sait que par exemple l'Afrique et l'Amérique du Sud, ça va être deux secteurs dans le futur qui vont exploser au niveau vol. C'est connu, hein, on attend vraiment une augmentation énorme. Donc on va devoir aller vers de nouvelles technologies pour pouvoir dépolluer l'aviation. Et donc là, on va avoir plusieurs manières de faire. Alors, on va avoir, premièrement, on va parler donc réduction des émissions par des techniques moins... qui ne demandent pas de nouvelles technologies, justement, d'ingénierie. Il y en a plusieurs, notamment ce qui est testé par Airbus en ce moment, c'est les vols en formation, un peu comme les oies sauvages, par exemple, ou les grands oiseaux migrateurs qui volent souvent en formation, en V, etc. On s'est rendu compte que ça permettait de réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation des avions qui sont derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de mettre en place sur les différentes routes. Et ben, bonne journée, Majouk, et à plus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer de mettre en place à grande échelle, mais ça va être très compliqué. Ça veut dire que les avions doivent aller globalement au même endroit, doivent voler très proche l'un de l'autre, ça pose des questions de sécurité, ça pose beaucoup d'interrogations. Notamment en cas de météo dégradé. On a d'autres solutions, comme optimisation du trafic. Alors ça, c'est littéralement réduire le nombre de vols en optimisant, disant « Ok, ça c'est un vol, on peut le remplir. » En gros, au lieu de faire 3 vols, on peut en faire que 2. Au niveau des passagers, par exemple. Mais... Oui, parce que tous les avions sont pas pleins, donc voilà. On peut pas essayer de plus les remplir. C'est ça. Faire ça, et aussi jouer sur tout ce qui va être ce qu'on appelle les... Il y a plein d'avions, il faut savoir que énormément d'avions volent à vide, littéralement à vide. Ils se repositionnent, en fait, sur un nouveau aéroport, pour un prochain vol, etc. Par exemple, éviter ce genre de truc. Essayez toujours d'avoir des avions qui volent d'un endroit à un autre, etc. Mais toujours avec des passagers. Il y a ça aussi. Donc voilà. Ça va être les... Vas-y. Moi j'en ai d'autres. Ouais. Il y a, comme en voiture, réduire la vitesse. Aussi. Il y a réduire la vitesse. Il y a utiliser des profils aérodynamiques d'aile un peu plus efficaces. On peut encore faire quelques progrès sur les profils d'ailes. Sur les revêtements aussi. Et sur les revêtements, enfin, en gros, améliorer la pénétration dans l'air pour que ça offre moins de résistance et donc qu'on n'ait pas à consommer de carburant pour ça. J'ai vu aussi des... Il y a un petit truc, c'est que quand l'avion est à terre, il est obligé de faire tourner un de ses moteurs. C'est un moteur qui est un petit peu caché, l'APU, ouais. qui tourne tout le temps, pour avoir toujours de la clim, de l'électricité, en gros, hein, pour avoir ça. Et ça, bah, ça consomme. L'APU n'est pas forcément optimisé aussi bien que le reste des réacteurs. Et donc, le but du jeu, ça serait, ça se fait dans certains aéroports, d'alimenter directement l'avion dès qu'il est au sol, plutôt que le laisser en autonomie, lui fournir de l'électricité et même un air frais, directement lui envoyer de l'air pour qu'il n'ait pas à se climatiser lui-même, ce qui consomme pas mal de carburant, n'empêche. Tout à fait. Et on a également, donc on a ça très prochainement également, on devrait voir arriver les electric taxiing. Donc ça, c'est le taxi, en fait, c'est le moment entre la piste et la zone où l'avion dépose ou prend ses passagers. Là, ce qu'on appelle le taxi. Voilà. Et cette partie-là est faite avec la poussée des réacteurs. Or, c'est Safran qui est en train de développer ça. Des trains avant qui sont équipés de moteurs électrique qui permettrait de réduire, en fait, de pas utiliser les réacteurs pour pousser, mais de rouler avec un petit moteur électrique dans la roue avant. Voilà. Et ça devrait être mis en place dès cette année, normalement. Or, je pense que ça a dû prendre du retard parce que j'en ai pas entendu parler et qu'on est déjà à la fin de l'année. Mais normalement, c'était censé être pris cette année, être fait cette année. Donc, ça, c'est des petites solutions qui permettent de réduire légèrement, mais ça s'attaque pas au gros du problème. C'est comme par exemple alléger la structure des avions encore. On peut encore réussir à le faire un peu. Ça va réduire la consommation, mais c'est pas...
on arrive quand même un peu à la limite de ce qu'on peut faire. Et donc on va aller vers des nouveaux types de carburants notamment. Avec, vous avez peut-être vu passer ça, Airbus vol. Il y a eu récemment un vol au biocarburant qui a été fait par Airbus. Alors attendez, je regarde. Donc voilà. Là, on a un article donc, de l'usine nouvelle qui en parle. Donc, c'était le 25 mars de cette année. Hein, donc c'est très récent. On a eu un A380 qui a fait un vol avec donc, du biocarburant 100%. Donc là, ils disent agrocarburant. Alors, il faut faire attention aux différentes appellations, etc. Parce qu'on parle de biocarburant. Biocarburant, ça veut tout et rien dire. Ça veut pas dire qu'on pollue moins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même vraiment remarquer. Hein. Du biocarburant peut polluer plus que du kérosène. Un biocarburant, c'est simplement un carburant qui est biosourcé. Donc, on va le créer à partir de plantes. Ouais, on va pas le créer à partir d'animal, hein, parce que on peut toujours essayer de mettre du sein doux dans les moteurs. Je pense pas que ça va marcher. Mais, en fait, on va plutôt brûler ce qu'on pourrait appeler de l'huile, tout simplement. C'est en sorte de l'huile. En gros, c'est de l'huile. À la base, les dérivés de pétrole, c'est aussi un petit peu de l'huile. Hein. Bah, c'est une huile aussi, oui, une huile minérale, du coup. Mais là, on parle d'huile végétale. Et donc, on va pouvoir brûler de l'huile végétale. Et ça va capter, en fait, en poussant, ça va capter une partie du CO2. Donc, en théorie, on pourrait avoir du carburant neutre, dans l'idée. Et bien dit, dans l'idée. Parce que c'est pas le cas. On va se cacher, non. C'est pas le cas, ce sera jamais neutre. On a quand même des progrès dans le sens où il n'y a pas à l'extraire du sol. Ouais. Et l'extraction du carburant est déjà une partie de la pollution de votre diesel ou essence que vous mettez dans la voiture. Et encore plus que l'extraction, c'est le raffinage qui pollue beaucoup. Oui, aussi. Le raffinage. Chose qu'on a aussi hein, du raffinage, mais pas énormément. On a plusieurs types de plantes qui peuvent servir à faire du biocarburant. On peut penser par exemple aux céréales, blé, orge. Problème, c'est que le blé, l'orge, tout ça, ça rentre. Ce sont des cultures qui rentrent en compétition avec les cultures qu'on fait pour l'alimentation humaine et les cultures qu'on fait pour l'alimentation animale. C'est le gros problème aussi, par exemple, le soja en Amérique du Sud. Ces immenses champs de soja qui sont utilisés pour faire du biocarburant au Brésil, etc. Et on déforeste la forêt vière, enfin la forêt amazonienne, pour faire des champs de soja, pour faire du biocarburant. Du biocarburant. Voilà. Donc il n'y a pas que des bons points. On peut avoir également, par exemple, c'est beaucoup plus quelque chose qui est orienté, on est beaucoup plus orienté vers ça en France. Par exemple, les betteraves à sucre, les betteraves sucrières. Vous savez qu'il y a les betteraves à salade rouges, hein, mais il y a également des betteraves qui sont blanches, beaucoup plus grosses, qui servent à faire du sucre. La plupart du sucre que vous mangez, à part le sucre de canne, tout l'autre sucre, c'est du sucre de betterave à sucre. Et donc, ces betteraves-là, on peut également en faire du bioéthanol, en fait. Voilà, et également des carburants dérivés de bioéthanol. Et donc, à ce moment-là, on peut faire ça, et ça demande quand même des températures, etc., beaucoup plus faibles, enfin, beaucoup moins d'entretien que du blé, par exemple, pour pousser, etc. Donc, voilà. Donc, eux, alors là, Airbus était extrêmement fier de démontrer ça. Mais en vrai, voilà, on voit, hein, actuellement c'est moins de 0,1% de la consommation de carburant dans le transport aérien. On voit que là, par exemple, récemment également, on a eu Air France qui a fait un vol long courrier, sauf qu'il n'y avait que 16% du carburant qui était réellement des biocarburants, le reste c'est quand même du kérosène, etc., etc. Alors voilà, après on a plusieurs points de vue, c'est-à-dire que par exemple eux ils sont là en mode les SAF permettent de réduire de 80% les émissions de CO2. Ce qui est vrai potentiellement, mais à nuancer, c'est-à-dire que clairement les 80% on est sur du chiffre, le chiffre dans le meilleur des cas. Voilà, c'est-à-dire si on prend le pire pétrole et le meilleur biocarburant, on va obtenir 80% d'amélioration. Oui, ça c'est comme là, sur la conso de votre voiture, sur la fiche constructeur. C'est ça. Vous l'achetiez,
c'est dans des conditions de laboratoire que vous n'aurez jamais à l'utilisation. Voilà. Et par contre, voilà, on voit qu'il y a d'autres comment rapports. Alors là, je connais pas ce rapport-là, mais entre 53 et 71%, on voit que c'est dire beaucoup plus nuancé. Donc voilà. Par contre, on voit qu'il y a un gros problème pour l'implantation des biocarburants dans l'aéronautique, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre. Beaucoup de compagnies aériennes sont vraiment sur le fil du rasoir au niveau argent, faut le savoir. Hein. Et du coup, si le carburant est plus cher et que ça n'apporte rien pour la compagnie, c'est-à-dire que si c'est plus cher mais que vous êtes les seuls à faire du biocarburant et que les gens volent chez vous parce que vous faites du biocarburant parce que c'est un outil marketing, c'est clairement ça hein, aussi, et ben là, ça peut vous rapporter plus que ce que vous avez mis dans le biocarburant. Si par contre tout le monde est au biocarburant, ça coûtera plus cher à tout le monde. Et donc ça sera plus forcément rentable. Qui est un gros frein du coup au développement du biocarburant. Après, alors là on parle d'autres carburants alternatifs sont également en cours de développement, comme les carburants synthétiques. Les carburants synthétiques, on sait en faire depuis très longtemps. Hein. Les Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, faisaient quasiment que du carburant synthétique à base de charbon. Parce que ils n'avaient pas de puits de pétrole et ils étaient en embargo. Donc du coup, voilà, ils n'avaient pas le choix. Donc on sait en faire, mais la plupart des carburants synthétiques polluent en fait plus que des carburants d'origine pétrolière. Donc voilà. Oui, on le disait au début, hein, que la source, ça peut être une pollution. Si vous enlevez cette pollution-là, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait avec pollue moins. C'est ça. Donc voilà. Et ensuite, donc ça va être les carburants verts. C'est le même délire que les huiles de friture dans les voitures, par exemple. Il y en a quelques-uns qui roulent à l'huile de friture qui sont là en mode regardez, oui, ça fume noir, mais franchement, c'est gaspillé l'huile de friture. Donc, c'est mieux que je la consomme comme ça. Alors qu'en fait, ce mec-là, en pensant, alors ça lui coûte moins cher, forcément, mais en pensant être entre guillemets écolo parce qu'il recycle de l'huile de friture, vu que les catalyseurs, etc., qui sont censés enlever les polluants, et la combustion n'est pas parfaite, etc., bah, il va polluer plus que quelqu'un qui met de l'essence. C'est des trucs tout bêtes. C'est pas forcément le cas de l'éthanol. L'éthanol, c'est beaucoup plus... C'est à voir. Ça dépend vraiment des cas d'utilisation. Je parle au niveau pollution. Donc, voilà. Ensuite. Hop. Donc, on va avancer. Donc, sur le verdissement des carburants. Et ben, on va parler maintenant d'une autre technologie. Et je vais laisser Germain en parler. Et ben, je vais... On va continuer à embrayer et passer sur un sujet hybride qui est l'hydrogène. Globalement, ben on a un carburant qui pourrait être sympa, qui est l'hydrogène. On pourrait, par exemple, au lieu de faire du kérosène, brûler de l'hydrogène avec l'hydrogène, avec l'oxygène de l'air, ça fait de l'eau en produit. C'est une idée de reconvertir les moteurs, on va dire, les plus standards pour brûler de l'hydrogène. On maîtrise un petit peu la combustion oxygène-hydrogène via les fusées, surtout. Mais s'il y a une raison pour laquelle on utilise les fusées qu'une fois, c'est que le moteur est quasi foutu à la fin de la combustion, parce que ça chauffe beaucoup plus, et donc il faut développer des technologies pour que le moteur survive et vive longtemps, malgré cette combustion. Ça, c'est un des problèmes du développement du moteur à combustion hydrogène. Il est par contre, globalement, au niveau de la combustion, super vert. Il y a un petit problème, c'est que la production d'hydrogène... Vous avez peut-être fait de la production d'hydrogène au collège en faisant un petit peu d'hydrolyse, et vous vous dites peut-être que la production d'hydrogène est faite à partir d'hydrolyse de l'eau. C'est une très bonne idée, mais c'est trop cher. C'est trop cher dans le sens où, vu qu'on exploite des produits pétroliers, actuellement, je ne sais pas si tu veux aller voir sur la page Wikipédia de production d'hydrogène, il y a un petit schéma qui montre ça. La production d'hydrogène est pour l'instant faite en grande partie à partir de produits pétroliers et de gaz naturel, parce que pendant qu'on produit
les divers carburants, ce schéma-là, ouais, par exemple. Pendant qu'on produit ça, on récupère des gaz qu'on peut, dont du méthane. Méthane et gaz naturel, c'est à peu près la même chose. Dont du méthane qu'on peut, on peut faire du vapocraquage, c'est-à-dire décomposer la molécule pour en récupérer une partie. Et c'est là qu'on récupère l'hydrogène. Donc globalement, si je vais peut-être créer en utilisant de l'hydrogène quelque chose de vert à la combustion, mais l'extraction de cet hydrogène a un petit problème, c'est qu'il pollue autant que le reste, et il participe au développement des autres produits pétroliers, ce qui est un petit problème. On peut faire ça avec à peu près toutes les productions de méthane, donc là on a les produits pétroliers plutôt liquides, on a les gaz naturels aussi, on peut faire ça avec le méthane issu de l'agroalimentaire, que ce soit par fermentation ou autre, qui produit aussi du chauffage, donc là on s'approche de quelque chose d'un peu plus sympa éthiquement, même si le méthane est un gaz à effet de serre qu'on essaye de pas mettre dans l'atmosphère. Oui, parce que pour rappel, hein, le méthane est quelque chose comme 10 fois plus puissant en termes d'effet de serre par rapport à du CO2, hein, tout du genre. C'est ça. Il est heureusement nettement moins présent que le CO2, mais si on peut éviter de le sortir de terre ou d'en créer et de le mettre dans l'atmosphère, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et enfin, on peut faire l'électrolyse de l'eau. Mais l'électrolyse, dans l'électrolyse, il y a ELEC. Et l'électricité qu'on fait, elle peut très bien être polluante. En ce moment, il y a des problèmes d'acheminement énergétique dus à la guerre en Ukraine. L'Allemagne rallume des centrales à charbon. Brûler du charbon pour faire de l'électricité qui va faire de l'hydrogène, c'est pas super vert. Ne serait-ce que brûler du gaz pour faire de l'électricité quand pour la centrale au gaz, c'est un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Il nous reste que les énergies vertes, que ce soit le solaire, les éoliennes, les barrages hydroélectriques, et il faut quand même le dire, le nucléaire qui a l'avantage de pas dégager de CO2. Il y a d'autres problèmes qu'on va pas évoquer aujourd'hui, mais globalement, si on arrive à faire de l'hydrogène par hydrolyse de l'eau avec une énergie verte, on est sauvé. On ne sort quasiment plus de CO2, de CO2 en faisant ou même de méthane en faisant de l'hydrogène. Et une fois la combustion faite, on ne sort quasiment pas de gaz nocif non plus. Donc ça, c'est l'idéal. Et au niveau de la production, on voit bien, on en est loin pour l'instant. Les constructeurs d'avions, eux, ils n'ont pas trop la main mise sur la production d'hydrogène. Mais il y a toute une filière à faire, clairement. Et si vous entendez un peu de plus en plus parler d'hydrogène, que ce soit pour les transports en commun, pour les avions, pour plein de choses, c'est parce qu'il y a tout un mouvement qui se met en branle pour créer une demande là-dessus. Donc c'est fortement subventionné par les États pour créer un petit peu cette filière et que les avionneurs puissent être confiants d'avoir des moteurs qui tournent à quelque chose qui soit potable. Donc le mouvement, il est là, il y a des financements, mais il y a un autre problème sur l'hydrogène et l'avion, qui est que l'hydrogène, c'est une toute petite molécule. Elle est microscopique, si vous prenez le tableau périodique des éléments, c'est la première, et elle fait, j'avais noté ça, quelque chose comme 30 picomètres. Elle est souvent associée par deux, ça fait du dihydrogène, ça fait heureusement quelque chose comme 75 picomètres. Ça reste petit.
C'est un millionième de, c'est des picomètres, c'est un millionième de millimètre. Et donc, ça a une fâcheuse tendance à traverser à peu près tout. Si vous faites une enveloppe en métal, l'hydrogène a tendance à fuir. Si vous faites une enveloppe, même très bien fermée, en verre, l'hydrogène, au bout d'un moment, a tendance à fuir, etc., etc. Donc, on a ce problème-là. On a un autre problème, c'est qu'elle est petite, mais elle n'aime pas trop, à pression ambiante, se maintenir proche d'une de ses copines. Donc, du coup, l'ensemble est très léger et prend énormément de volume. Énormément. Genre, quelque chose de monstrueusement grand. On va te voir que pour l'utiliser et que ça prenne pas plus de place qu'un avion, il va falloir la compresser, lui faire prendre moins de place. Pour lui faire prendre moins de place, on a deux façons de le faire. Soit on la comprime, on prend un volume de gaz et on le comprime le plus possible. Au bout d'un moment, il sera tellement comprimé qu'il va devenir liquide. Soit on le refroidit. On peut le refroidir assez pour qu'il redevienne liquide et donc prenne moins de volume, il faut l'amener à moins 253 degrés Celsius, ce qui est pas du tout chaud. Et pour le maintenir comme ça, ben, il faut une bonne bouteille isotherme et pourquoi pas une machine à froid qui tourne tout le temps, donc c'est-à-dire un frigo qui tourne tout le temps pour maintenir tout ça en froid. Une fois qu'on a cet hydrogène liquide, il prend moins de place, mais il en prend quand même encore beaucoup. Aussi, contrairement aux fusées, ben on va essayer de prendre que lui à bord et de continuer à récupérer l'oxygène de l'atmosphère. C'est pratique, c'est en quantité. Et pour faire la combustion, récupérer un air qui est à, allez, on va dire 0 degré. En altitude, il est un peu froid. Et le mélanger à un hydrogène liquide qui est à moins 250, ils vont pas avoir une combustion magnifique ensemble. Déjà, ils vont essayer de changer de température, l'un et l'autre. Donc, entre le réservoir d'hydrogène liquide et la récupération d'air, on va avoir une espèce de mélange qui va devoir se faire de température, hein, pour mettre à température les deux à une température semblable, les deux carburants combustibles, ergol, les deux ergols en gros. Ensuite, on va pouvoir les mettre ensemble. Si c'est une combustion, ça sera donc directement dans le moteur, au même endroit que d'habitude. Hein. Y avait eu l'admission. On aura essayé de comprimer un petit peu l'air tout en le mettant à température. Et on injectera l'hydrogène qu'on a aussi mis à température. Il y aura une combustion, une détente, etc. Ça, c'est le modèle si on tourne avec des moteurs à l'ancienne. Mais il y a aussi une technologie qui a été créée il y a un petit moment et qui tourne à l'hydrogène et que vous allez retrouver la plupart du temps dans les utilisations de l'hydrogène, c'est de créer de l'électricité grâce à la combustion, une espèce de combustion, grâce à la réaction oxygène-hydrogène. C'est l'inverse de l'hydrolyse que vous avez fait au collège. Et cette technologie-là, c'est la pile à combustible. Alors, une des raisons aussi pour laquelle on essaye de ne pas faire exploser de l'hydrogène, c'est qu'on a des mauvais souvenirs avec les explosions d'hydrogène. Du grand temps des dirigeables, les gros dirigeables tournés à l'hydrogène, et il y a eu quelques problèmes. Le plus connu, c'est l'Édimbourg, là, que Robin vous montre. Il y a eu des morts. Et clairement, si vous avez peur que votre voiture au gaz naturel explose, ce qu'elle ne fera pas parce qu'il y a des systèmes de sécurité, celui-là, il explose plus fort. Et comme c'est ça qui vous tient en l'air, c'est moins pratique une fois que ça explose. Oui, tu fais tendance à tomber quoi.
alors que la réaction dans une pile à combustible, elle est relativement froide. Du coup, c'est beaucoup plus sûr. Globalement, c'est la réaction inverse, donc comme je disais, de l'électrolyse, en amenant l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Entre deux plaques métalliques, il y a une tension qui se fait, de l'électricité, et qu'on va pouvoir utiliser pour faire tourner un moteur électrique. Voilà, il est là le schéma, ils se touchent à peine, et donc la production se fait avec de l'hydrogène qui passe dans l'air, ça crée de l'eau. Mm. Là, voilà la réaction complète, globalement. Elle est très sûre. La combustion tout à l'heure, elle se faisait chaude. Du coup, il sortait de l'eau, mais aussi un petit peu quelques oxydes de carbone. Là, au moins, c'est quasiment de l'eau pure. C'est une grosse proportion. C'est l'eau pure. C'est quasi pur. Là, on est beaucoup plus confiant. Petit passage sur l'eau, parce que on peut vite se faire attaquer sur l'eau. Oui, l'eau est un gaz à effet de serre. La peur d'eau, ouais. Il est potentiellement très puissant comme gaz à effet de serre. Seulement, il a une durée de vie dans l'atmosphère, c'est-à-dire il retombe très vite, et une durée de vie qui est très courte, qui est tellement courte qu'on n'arrive pas à lui donner un pH, une puissance, une participation au réchauffement global qui serve à quelque chose. Donc globalement, mettre de l'eau dans l'air, même à haute atmosphère, a priori c'est pas si grave que ça. On va nuancer, je pense qu'il y a sans doute beaucoup d'études en cours. Oui, ce que j'allais dire. Pour voir s'il n'y a pas des petits effets, des effets qu'on n'a pas trop prévus. Franchement, c'est comme mettre du plomb dans du carburant pour le stabiliser. Franchement, qui aurait pu qu'est-ce qui pourrait mal tourner, tu vois. C'est ça. Donc, ça sent bon, voilà, au niveau... On sent que ça va bien se passer, mais bon, il faut quand même toujours avoir quelques précautions. On va pas le garantir... Avant que ce soit utilisé en masse et qu'il y ait des retours. Ça sera, j'imagine, malgré tout, beaucoup mieux que de brûler du kérosène. Ah bah, pas très compliqué ça en même temps. Juste, j'ai fait un calcul avant pour regarder, parce que tu parlais que ça prenait beaucoup de place et tout. Oui, je pense que si tu tombes sur des articles où ils montrent des réservoirs... Ouais. De carburant dans des avions pour de l'hydrogène, tu verras que ça prend beaucoup de place. Parce que là, je vois de l'hydrogène, ça prend, on va dire, quasiment 9000 fois plus de place à masse équivalente que du kérosène. Si on est à température et pression ambiante. Voilà, faut être précisé. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le mettre sous pression, sauf que sous pression, ça veut dire des trucs plus solides, tout simplement. Comment ? Mince. C'est pas celui-là que je pense que tu voulais envoyer. C'est pas bon. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Il va falloir mettre des trucs sous pression. Donc des réservoirs sous pression, mais donc il faut que les réservoirs soient plus solides, donc plus lourds. Ou alors, il va falloir le réduire en température, mais ça prend de l'énergie en fait de le réduire en température. Donc voilà. C'est ce lien-là que je voulais passer. Ok. Globalement, on voit bien la place qui est prise. C'est tout un article qui dit à quel point les réacteurs, les réservoirs sont très compliqués à faire. Et ils disent en anglais toute la difficulté technique qu'il y a à maintenir le carburant sous pression et froid. On voit à peu près là dans cet avion qui a l'air d'être quelque chose comme un A320. Du format de la 320, le volume que ça prend, donc déjà ça fera déjà beaucoup moins de place assise que dans un avion équivalent. On peut pas le mettre dans les ailes parce que c'est des gros, c'est des réservoirs sphériques, donc. C'est ça. En fait, pour maintenir sous pression, on essaie d'avoir la forme qui ressemble le plus possible à une sphère. Ça permet de mettre plus de pression. Et globalement,
ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ces deux réservoirs-là, il n'y a pas la capacité de faire voler un avion aussi longtemps que les réservoirs à carburant habituels. Donc, là, on se fait sur un court courrier, non, peut-être bien. Voilà. Donc, ce format-là d'avion, il faut se dire que la forme d'avion, on va dire, à la taille d'un A320, qui fait maintenant des transatlantiques, ne pourra plus. Ce sera pour moins de personnes et pour moins loin. Le même format. Donc, on va devoir dépenser plus d'énergie. Imaginez bien que s'il faut plus gros, ben voilà. Même si. Les résidus ne sont plus carbonés, ben il va falloir dépenser plus d'énergie pour aller moins loin et avec moins de passagers. C'est le problème. On retombe un peu dans le problème de la fusée au final. Hein. Total. Dans le sens, plus de carburant, ça veut dire plus de place, donc plus de poids, donc plus de carburant, donc plus de place, donc plus de poids, donc plus de carburant. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc, tout pour ce qui est du stockage de l'hydrogène, pour l'instant, on est sur, on voit un petit peu le schéma en dessous, sur des enveloppes fermées, certes un petit peu isothermes comme votre, comme vos boissons dans des bouteilles isothermes, mais de plus en plus se développe grâce à la recherche et qui elle-même est propulsée par les financements monstrueux qui arrivent des États. Pour faire tourner, pour faire rechercher des solutions. On arrive sur des solutions un petit peu diverses. Il y a plein de choses qui sont essayées. Des mousses métalliques, où le carburant va venir naturellement se mettre dedans, ou des choses comme ça. C'est en cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, on n'a aucun avion hydrogène qui vole de façon commerciale. Il y a déjà eu des essais hein, d'avions hydrogène. Le moteur à hydrogène tourne, que ce soit sur pile à combustible, ça tourne aussi. C'est déjà été fait. On a celui-là. J'étais retombé sur des vieux avions russes aussi où il y avait eu des tests hydrogène. Bon. Voilà. Mais que pour des tests. Genre, oui, sur ces quadri-réacteurs, ils avaient changé un réacteur qui faisait tourner à l'hydrogène et ils avaient plein de petits réservoirs sphériques dans la cabine qui prenaient toutes les places des passagers et qui avaient une capacité très très faible pour faire voler un avion. Mais au moins ils avaient démontré la capacité pour le faire voler et que ça tournait. Ok. Ça, cet avion-là, c'est le dernier essai. C'est ce que tu montres actuellement. Ouais. C'est un 380. C'est un test de moteur qui va tourner à la combustion hydrogène. Et les quelques avions un petit peu stylés qu'on a vu avant, là, c'est plus les comme ça. Les prototypes qui sont prévus pour tourner. Ouais, comme l'aile-là volante. Ça devrait tourner plus à une technologie pile à combustible. Cela. D'accord. Voilà. Là, par exemple, dans l'aile volante, l'idée c'est que les réacteurs sont à côté de la cellule plutôt cylindrique du centre où il y a les passagers. Ils seraient sur les côtés dans l'aile. D'accord. Okay. En fait, il faut imaginer que là-dedans, il y a un corps totalement cylindrique où il y a encore les passagers. Et sur les côtés, il y a les réservoirs qui eux-mêmes sont cylindriques. Et tout ça est emballé dans une belle aile volante. Ok. D'accord. Bah, l'aile volante, ça pourrait. Ça, on sait que c'est une forme qui peut permettre vraiment de diminuer la traînée et tout. Donc, ça a tout son intérêt dans la réduction des émissions et de la consommation. Beaucoup plus que ça. Voilà. Bon. Parce que globalement, on est en train de faire des. Avec, grâce à l'hydrogène, on fait des avions électriques. Sans batterie. Ouais. La batterie, c'est le réservoir d'hydrogène. Mais on pourrait très bien imaginer des avions
qui tourne à l'électricité comme la première Tesla du coin. Et ça a déjà été testé. Il y a quelques petits avions qui tournent à l'électrique. Pour l'instant, c'est plus pour voler en club. Ouais. Je sais pas si t'en as qui traînent. Si, je peux en trouver. Ouais. Bah, avion. Je sais plus comment il s'appelle, celui d'Airbus. D'Airbus, le IFAN. Le IFAN, voilà. Est-ce qu'on va le trouver, le IFAN ? Oh, celui-là qui vole déjà. J'ai vu, qui est français d'ailleurs. Mais je sais plus comment il s'appelle. Je vois pas. Le Voltaero, voilà. C'est ça. Qui vole déjà. Mais voilà, on peut voir que ça a légèrement de place de batterie pour des vols très courts. Hein, on parle de quelques dizaines de minutes de vol et encore. Enfin, ouais, les moteurs, on peut avoir des encombrements et des poids qui sont pas forcément supérieurs au moteur à combustion. Autant la batterie, c'est lourd. C'est extrêmement lourd. Ça, c'est un pavé de métal. C'est quasiment plein. Et ça pèse assez lourd. Et puis surtout, il faut pas oublier que l'énergie. Là, on parle d'énergie massique. Alors, c'est un peu bizarre de comparer du carburant et de la batterie parce qu'on parle d'un côté d'un stockage d'énergie. Enfin, non, les deux, c'est un stockage d'énergie en fait. Oui, oui, c'est ça. Les deux sont des stockages d'énergie. Mais quand on fait exploser du kérosène avec de l'air, ça développe une certaine énergie. Allez, on va dire en watts, même si c'est pas des watts, mais ouais, les gens ont des micro-ondes en watts, donc ils comprendront comme ça. Ça développe une certaine énergie, et si on le fait avec 1 kg de kérosène, ça fait une certaine quantité d'énergie, et si on amène une batterie de 1 kg, ça peut développer une autre quantité d'énergie. Et il se trouve que la batterie, c'est pas tip-top en quantité d'énergie massique. C'est pas ouf. Rapporté au poids que ça développe. Et globalement, c'est la grosse explication de pourquoi on vole et on fait tourner nos voitures avec des dérivés de pétrole. C'est que c'est super efficace. Pour le poids qu'on y met, c'est très efficace. Enfin, notre avion électrique, c'est extrêmement connu, hein. C'est certainement même l'avion électrique le plus connu au monde, Solar Impulse. Qui est une technologie qui sera jamais utilisée en aviation commerciale. On peut le dire. Je pense qu'on peut s'avancer là-dessus sans trop de problèmes. Hein. Mais c'était un démonstrateur, quoi. C'était pour montrer que c'était possible. Oui. Oui, oui. Et puis ça a dû faire passer le cap à certains investisseurs qui se disaient... De toute façon, l'avion électrique n'est pas viable, il ne pourra jamais faire des grandes distances ou voler longtemps. Parce que bah, les raisons qu'on vient de dire, hein, la batterie est trop lourde, ça développe trop peu d'énergie. Et là, bah, y a un avion qui a fait un tour du monde, en plus en solaire, donc sans avoir à ramener une électricité à chaque arrivée à l'aéroport. Même si c'est pas utilisable pour des avions commerciaux qui transportent des centaines de personnes en même temps, ça a dû faire passer le cap à certains investisseurs qui se sont dit « Ah, finalement, on arrive peut-être grâce aux puissances des moteurs et aux batteries de plus en plus optimisées à faire voler des choses et de se rapprocher des performances qu'on peut avoir sur des avions plus habituels et avec la vieille technologie de papa. » Et les sous, c'est un petit peu la clé. On l'a vu un petit peu avec la crise du Covid. On a mis tout d'un coup beaucoup de sous dans des vaccins qui étaient de toute façon, dans une technologie de vaccin qui était un petit peu en développement gentiment avec les financements habituels. Tout d'un coup, on a mis énormément. Et des développements qui devaient prendre 3 ans, tout d'un coup, en 3 mois, étaient. Allez, peut-être un peu plus. Allez, en 6 mois, étaient finis. Et tous n'ont pas marché, hein, comme d'habitude. Donc il y a beaucoup de sous qui sont partis dans le vent, mais il y a quand même quelque chose qui en est sorti. C'est là d'où moi vient mon espoir sur les technologies hydrogène et électrique.
c'est que même s'il y a des problématiques, j'ai conçu hein, des avions comme ça. Je sais que c'est une quadrature du cercle horrible, mais même s'il y a énormément de problèmes, avec énormément de sous On peut réussir. et une bonne volonté politique de mettre toute une chaîne de production, que ce soit de la production à l'utilisation, qui soit verte, avec beaucoup de sous, on peut peut-être arriver à quelque chose. C'est énormément de sous, c'est vos impôts, c'est. Mais voilà. Je sais pas si c'est pas une des. C'est de mon point de vue une des meilleures utilisations des impôts qu'on puisse faire, c'est passer la transition énergétique que dans Les tout ce qui est domaines, transport, un peu fait. partout, dans les domaines, dans les transports, qu'on puisse. On a parlé tout à l'heure un petit peu en Café Croissance avec l'histoire de la lutte, enfin du changement climatique et du suivi. Globalement, on peut très bien revivre avec beaucoup moins d'énergie et ne plus polluer. Il suffit de revenir au 16e siècle, à ce mode de vie-là. Ça fera juste quelques milliards de morts qui arriveront pas à supporter. Oui, c'est... Et voilà, ce qui est horrible, soit s'appuyer sur quelques développements technologiques, dont plein de sous qui seront passés à la poubelle, pour qu'il y ait là-dedans quelques technologies et des moyens qui sortent pour qu'on survive avec des moyens de vie qui seront différents. Parce qu'on vit pas comme nos parents. Donc, Claire. qui seront différents et qui mettront un avenir un peu plus radieux à l'humain. Tout à fait. Tout à fait. Bon, donc voilà, on a parlé de l'aviation à hydrogène. Avec Germain, on vous a un peu parlé du coup de l'aviation électrique. Enfin, on vous a parlé de l'aviation électrique. Mais au final, la façon en fait la plus simple peut-être de décarboner le monde de l'aviation, et c'est tout con, hein, c'est de ne pas prendre l'avion, au final. C'est de diminuer ses trajets, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé réellement, enfin, plus ou moins abordé, mais dans ce live. C'est chaque trajet qui peut être effectué autrement que par un avion, actuellement, c'est ce qui a le plus d'impact par rapport à tous les développements technologiques qu'on peut faire actuels, quoi. C'est. Après, tout est relatif, c'est-à-dire bien sûr, si vous allez à New York, vous pouvez pas y aller en train. Voilà. Vous pouvez y aller en bateau. Et c'est long. Et il y a très très peu de bateaux, hein, d'ailleurs, qui font la croisière. Il y a deux bateaux, je crois, qui font Europe, New York, actuellement. C'est tout. Puis un bateau, ça tourne à l'essence aussi, hein. Ça tourne à l'essence, donc c'est pas forcément mieux. Tout à fait. Et donc, si on veut tourner avec un bateau à voile, Et ben là, il faut. il faut encore un peu plus de temps. Oui, t'es pas sûr d'arriver exactement là où tu voulais. Enfin, si, mais pas quand tu le veux, quoi. C'est ça. Donc voilà. Par contre, pour des trajets, notamment en Europe, où on a un tissu ferroviaire qui est très important. Alors, en France, on n'en parle même pas. Les vols intérieurs en France, c'est un peu une aberration que des gens continuent de prendre des vols intérieurs. Bah, sauf pour faire à la limite des Marseille-Lille. Encore, oula, ouais, c'est compréhensible. Mais sinon, il y a plein de destinations qui sont accessibles en train pour pas forcément beaucoup plus de temps qu'en avion, parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'aller à l'aéroport, il n'y a pas besoin d'attendre avant. Vous savez, vous deviez être pour un vol intérieur une demi-heure avant, etc., etc. En plus, vous arrivez, vous êtes aussi dans un aéroport, donc il faut le temps d'aller jusqu'au centre-ville. Voilà. En gare, vous partez d'un centre-ville, vous arrivez à un autre, quoi. Souvent. Donc, ça peut vraiment être. Enfin, il faut vraiment, ouais, pour optimiser les déplacements, ça, le covoiturage aussi pour les trajets encore plus courts ou mal desservis par train. Enfin, de toute façon, si c'est mal desservi par train, souvent c'est mal desservi par avion. On va se leurrer. Mais voilà, on a encore beaucoup d'avions, enfin de vols internes. Je vois, nous, par exemple, bah, je suis de Poitiers, il y a quand même un vol. La Rochelle, Poitiers. Alors déjà, il y a un vol de La Rochelle-Poitiers.
n'a pas de sens, hein. Il y a littéralement 2 heures de route. Même pas. Si, 1 heure, 2 heures de route. Et ensuite, il y a un vol Poitiers. Strasbourg. C'est une ligne, c'est. Voilà. Déjà, bon. Poitiers-Strasbourg, c'est quand même assez étonnant comme destination. C'est pas Poitiers-Paris, par exemple. Hein. Et surtout, bah, au final, ok, ça prend pas très longtemps. Ça prend un peu plus d'une heure au lieu de 4 en TGV, je crois. 4 ou 5 en TGV. Mais la pollution que ça engendre pour le peu d'utilisateurs de ligne, parce qu'en fait, c'est une ligne qui est très peu utilisée, mais c'est une ligne de service public. Et ce qui fait que c'est les avions de Ryanair qui volent là-dessus. Très régulièrement, ils volent quasiment à vide, quoi. C'est assez délirant. C'est assez délirant. Ouais, c'est du service public comme les postes qu'on garde ouverts, sauf qu'une poste qui reste ouvert, ça fait pas tourner un moteur. C'est ça. Tout le temps. Donc, il y a les services publics et services publics, quoi. Il y a des trucs un peu particuliers, mais c'est les régions qui décident. Donc là, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a dit « Ouais, on veut une ligne... La Rochelle, Poitiers, Strasbourg. » C'est sans doute pour... j'imagine que c'est plutôt La Rochelle qui est la destination pour essayer de faire venir des gens de Strasbourg en vacances, etc. Mais quand même... C'est bizarre, quoi. Bref. En attendant, ce que je peux vous proposer, c'est que je vois qu'on a encore un peu de temps. Si vous voulez nous rejoindre, peut-être, si vous avez une question ou une remarque à faire, n'hésitez pas donc à rejoindre sur le Discord PocScience et on pourra vous prendre à l'oral, en vocal, et discuter ensemble d'un point, si vous avez un point que vous voulez soulever. Oui, n'hésitez pas. Il y a plein de sujets qu'on a pas soulevés sur la pollution des avions. Si vous parlez d'avions de jets privés. Ouais, aussi les jets privés. Non, mais c'est vrai, c'est un vaste sujet. Et en plus, la nomenclature française fait que quand ils disent les jets privés, ça concerne énormément de catégories différentes d'avions, énormément de trucs. Ce qui fait que, par exemple, les avions d'aéroclub, dans certaines définitions, sont inclus dedans. Parce qu'il y a des avions beaucoup plus polluants, etc., qui sont inclus dedans la même catégorie qu'eux. Et dans d'autres, c'est pas le cas. Il y a même des avions. Il y a toujours des trucs soit qui sont un peu abusés, soit des trucs qui sont justement où ça passe à travers les mailles du filet. Dans cette polémique où bah oui, c'est clair que c'est ça a l'air d'être un non-sens de voir une personne faire des micro-vols. Tu parlais de micro-vols dans ton cas, mais là c'est plein de micro-vols les uns après les autres, des petits sauts de puce, et qui a l'air d'être en plus que pour du loisir. Je sais pas si c'était que ça, mais bon, admettons. Et ça paraît un petit peu, ça paraît délirant et inutile et des choses dont on pourrait se passer. Et donc, ben, il y a un appel à légiférer dessus et c'est qui est totalement naturel. Seulement, dire jet privé, comme tu disais, ça veut un petit peu tout et rien dire. La définition légale de jet privé, elle n'est pas trop facile à mettre dessus. Et globalement, ben, si ce même jet était une technologie qui n'existe pas encore, mais pas du tout polluante, à quel point il rentrerait pas aussi dans cette même définition. Donc c'est compliqué, et du coup, c'est à se demander à quel point, quelle serait la bonne législation pour avoir un impact sur ces choses qui nous hérissent le poil. Est-ce que ce serait une taxation carburant? Il y en a déjà une. Est-ce que ce serait des interdictions de vol ou dans les aéroports? C'est pas infaisable, mais ça aurait des conséquences sur les industries, parce que clairement, les propriétaires de petits avions privés, c'est des grands industriels de chez nous, des gens qu'on essaye de pas faire partir, quoi. Ouais, donc j'essaye pas de défendre le riche, mais j'essaye juste d'essayer de trouver la meilleure méthode. Et c'est pas simple. C'est pas simple, il y a plein de réflexions qui à avoir. Et je pense que toutes les indignations sont bonnes à avoir. Les solutions qui en découlent, par contre, faut faire attention à ce qu'on propose. On peut empoisonner un petit peu notre mode de vie juste
en mettant quelque chose d'un petit peu trop simple et en réfléchissant pas trop à une législation qu'on pourrait faire un petit peu trop à la va-vite et sur les sentiments. Tout à fait. Là, je suis en train d'essayer de retrouver les différentes... J'avais quelqu'un qui avait partagé sur Twitter vraiment une illustration qui était parfaite pour parler des différentes classes. Vous pouvez contenir des jets privés, enfin ce qu'on appelait des jets privés. Mais je la retrouve plus. Bon. Malheureusement. Pareil, quand on parle des jets privés, on voit toujours les jets privés. Alors ça aussi, autre chose, on dit, ok, cette personne-là pollue énormément parce que son jet privé fait des vols régulièrement, etc. Et il faut savoir que la plupart des jets privés sont en leasing. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté un jet privé, bah ça coûtait extrêmement cher un jet privé. Donc en fait, ils le louent à des organismes qui eux-mêmes louent à des passagers, en fait, derrière. Et donc, tu peux faire un vol en jet privé, c'est pas ton jet privé. Et ça va être le jet privé de quelqu'un d'autre, et donc cette autre personne va être. Enfin, on va dire, ah bah cette personne pollue beaucoup, alors qu'en fait, c'est pas elle qui est dans le jet, par exemple. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Bon, ça excuse pas tout, hein, loin de là. Non. J'essaye de regarder. Ça excuse pas tout, mais voilà. C'est bête, mais le déplacement du jet privé de telle entreprise. Effectivement, peut être en réalité utilisé par le grand patron de temps en temps, un chef de division un autre jour, quelques employés pour aller d'un site à un autre une autre fois, et il peut y avoir des transferts comme ça. L'utilité de chacun de ces transports, on peut en débattre de tous, mais elle est différente à chaque fois. Et globalement, tant qu'on n'a pas vu qu'il y a un intérêt stratégique à ne pas dire ce qu'on est en train ne pas dire ce qu'on fait, ben ils vont pas dire on est en train de faire ci, on est en train de faire ça, parce que ça peut traduire une politique de on va essayer de développer plus cet endroit-là, et la concurrence pourrait agir dessus. Du coup, dès qu'on suit un avion, par exemple, c'est l'avion de Bernard Arnault, par exemple, ben on va supposer qu'il y a que lui qui vole dessus, et ça va être d'autant plus révoltant. C'est ça, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors qu'il y a des niveaux d'utilisation qui sont pas forcément tous indignés. Ils ont un niveau d'indignité différent, on va dire. C'est ça, par exemple, ceux qui se plaignent pour des questions... Enfin, c'est très bête, hein, mais ceux qui se plaignent, par exemple, de voir un chef d'État français ou un ministre français prendre l'avion pour aller... admettons, en Allemagne ou pour aller en Belgique. Paris-Brexit, vous avez le Thalys qui fait Paris-Bruxelles tous les jours, plusieurs fois par jour, qui est très rapide, etc. Mais il y a certaines fonctions qui demandent quand même un avion privé pour des questions que ce soit de sécurité ou autre. Alors, on parlera pas des équipes de foot parce que bon, même s'ils ont pas le droit, même s'ils n'ont pas la possibilité de faire du char à voile, c'est vrai qu'ils pourraient faire des efforts. Mais on parle là de choses beaucoup plus importantes. On parle de chefs d'État, qui ont vraiment des pressions très importantes, ou même des entreprises. Enfin, certaines entreprises, les dirigeants de certaines entreprises ont des pressions extrêmement importantes sur eux, et surtout... l'avantage d'un avion privé, c'est que ça réduit quand même énormément le risque d'atteinte à cette personnalité, dans le sens d'atteinte physique. On peut penser notamment aux industriels de l'armement, qui, bon, sont pas que des amis dans ce monde. On peut penser à plein de gens, mais dans un train, c'est beaucoup plus dur d'installer une sécurité, par exemple. Et donc, ces gens-là vont préférer... avoir un jet privé aussi pour ces raisons, en plus du confort. Et salut Sian, ça va. J'espère que tu vas bien. On est en train de parler, alors on arrive en fin de live. Bon, on a encore un peu de temps, parce que visiblement Alice sera un peu en retard. Mais on est en train de parler d'aviation et d'écologie. Donc voilà, on a parlé d'hydrogène, d'aviation électrique, également de pourquoi un avion ça pollue. Enfin, de plein de choses. Et là, on est un peu en libre antenne, dans le sens où vous pouvez venir poser vos questions ou débattre à l'oral. Vous pouvez
Sinon, vous pouvez ou dans le chat. Dans le chat, ça marche aussi. Hein. Ça marche très bien aussi dans le chat. Donc voilà. Vous pouvez même mettre votre indignation dans le chat. Et pour un avion, voilà. Oh, j'ai posé une question là. Qui va peut-être. Non, ça va pas te mettre dans l'embarras. Je pense pas, mais à quand un avion. Je sais que ça a déjà été fait dans le passé, hein, mais à quand un avion électrique. Mais au lieu d'avoir une pile, on a soit un RTG, soit un réacteur nucléaire. Ouh. Alors. C'est. Il y a déjà eu quelques expériences qui ont été faites dans le passé. Pour l'instant, les isolements radiatifs n'étaient pas forcément tip-top et les pilotes sont ressortis un petit peu malades. C'est après, et c'est bon, un détail. C'était des pilotes militaires, c'était un petit peu de la chair à canon pour les essais dans ce cas-là. Oui, clairement, alors les développements nucléaires sont notamment des mini-centrales nucléaires. Mm. Sont de plus en plus évolués. Je sais pas s'ils vont atterrir sur quelque chose de bien potable. Pour l'instant, ça fait quand même si les small reactors, je sais plus le nom exact. SMR, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Small modular reactor, c'est ça. Sont malgré tout encore très 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 gros. Pour faire voler ça, c'est. Mais oui, c'est une des possibilités. Et par contre, Bernard. Comme toujours, la peur de, et c'est justifié, hein, du danger de, ça s'écrase, on fait quoi? Parce que là, ça fait un site nucléaire à ciel ouvert tout d'un coup de plus, à chaque fois. Et on a ça aussi, dès qu'on envoie un satellite, un rover ou un satellite qui a un RTG dedans, qui tourne donc avec un isotope nucléaire, réactif, radiatif, qui peut effectivement, si la fusée explose, ce qui arrive de moins en moins, mais arrive encore de temps en temps, c'est une grosse pollution nucléaire en aérosol en plus, donc ça peut retomber sur beaucoup de gens en même temps. Mmh. Donc oui, c'est. Putain, sans rester. Vas-y, un RTG, je suis pas sûr de toute manière qu'il y aurait vraiment la puissance nécessaire à faire voler un avion dedans. Non, clairement pas. Non, c'est ça. Les plus de souvenirs, les plus gros RTG, ça fait tourner 2 micro-ondes en même temps et pas plus, quoi. Ouais, c'est. Donc, oublier de faire tourner, de faire voler un avion avec. C'est. Mais l'utilisation dans le RTG, dans un RTG, on n'utilise que la chaleur de la. De l'élément radioactif dans un réacteur nucléaire, on utilise la fission de ces mêmes éléments et c'est beaucoup plus puissant. Je vais mettre SMR taille. Et on a des. Ah! Oh, c'est une vision d'artiste, mais bon, ça place quand même déjà le truc. Voilà. C'est que la cuve en plus. C'est petit comme ça. Ça, c'est que la cuve. C'est petit comme ça. Par exemple, il y a quelqu'un en dessous, il y a le bateau rouge ou le bateau blanc et bleu, là. Qui est une centrale nucléaire. Mmh. Ils l'ont pas flottante. Je crois qu'il y en a deux, en fait. Ok. Qui est russe et qui est en mer. Et là-dedans, il y a assez mini centrale. On s'en rend pas compte, mais c'est le mini truc qu'on voyait juste avant. C'est beaucoup plus petit qu'une centrale nucléaire qu'on a sur Terre. Et effectivement, avant de faire voler ce truc-là, bon, on n'y est pas tout de suite. Il faut encore arriver à miniaturiser ça. Et le truc, c'est que, un petit peu comme dans tout, il y a des effets d'échelle. Quand c'est gros, en fait, c'est vachement plus. Facilement efficace. Ouais. Mais dans la nucléaire avec fission, quand c'est plus gros, il y a plus de risques aussi. D'où l'avantage de faire des petits et plus locaux, où il y a moins de transport, où on peut gérer les problèmes que localement, et voir s'il y a des problèmes. Ils sont tout petits et peut-être qu'ils vont mettre en danger personne.
Donc du coup, on peut être plus léger sur la sécurité, etc. L'économie, elle peut être à faire plein de niveaux sur un small modular reactor. Et du coup, aussi autre chose dont on n'a pas parlé, est-ce qu'on verra un retour des dirigeables, notamment des dirigeables pour le transport de fret plutôt? C'est un vieux loup de mer, il y a quelques entreprises qui essayent de redévelopper des dirigeables. Je ne sais pas si tu arrives à retrouver Là, il y a Lockheed les images, Martin notamment. ceux-là, ceux de Lockheed ou autres. Ils ont les mêmes facilités et difficultés qu'à l'époque. Ils tournent moins à l'hydrogène, je crois qu'ils sont à l'hélium, Ils sont plus à l'hélium maintenant. si je dis pas de bêtises. Il y a un problème de quantité. L'hélium, c'est. On ne veut pas faire tourner à l'hydrogène parce qu'on sait qu'une grosse quantité d'hydrogène seule, on voit ce que ça fait. Et l'hélium, par contre, c'est plus dur à récupérer. Si c'est dur à récupérer, ça demande de l'énergie. Si ça demande de l'énergie, on peut polluer en produisant cette énergie. Et là, on se mord la queue. C'est genre une vision comme ça, par exemple, ça se non. Il faudra un dirigeable encore beaucoup plus grand. Hein. L'hélium, c'est beaucoup moins puissant que l'hydrogène. Ah non, oui, pour une maison complète, oui, il faudrait un truc beaucoup plus gros que ça. Pour soulever une maison. Voilà, là on voit par exemple. Là dans l'idée, hein, ils sont pas mal. C'est-à-dire que voilà, au lieu de transporter un porte-container avec la même taille, on transporte trois containers, quoi. Voilà. Mais Mais t'imagines bien là-dessus mettre quelques panneaux solaires qui fait tourner des hélices avec un moteur électrique. C'est totalement imaginable. à fait. Et donc je suis en train de regarder. Parce que là je vois des trucs mais complètement ahurissants, genre ça, cette photo-là, elle est. Alors, autant vous dire que mettre. Genre. Ah, c'est très haut là. C'est très haut, mais surtout, déjà c'est très haut, mais. Utiliser ça en montagne où il y a des vents cisaillants et tout. C'est comme ça, hein. Ça là, ils ont un truc avec les montagnes, hein. C'est les mêmes. Mais franchement, pire idée, mais. Et là, t'as juste envie de mourir en fait, si tu vas là-dedans avec C'est tes une jambes. grosse prise de vent, toi qui fais de la Ouais. terre. Tu sais C'est pas que le réactif moindre en courant plus. d'air peut te faire bouger, enfin, et te décaler plus que ce que tu peux le sentir. Sur un dirigeable, évidemment, c'est très sensible, il y a une grosse prise de vent. Mais globalement, j'allais dire de tout temps, mais on va pas dire ça quand même. Mais bon. Dans les premiers temps de l'aviation, vous avez peut-être vu plein de gens qui essayaient de faire des avions, chacun avec son concept, parfois avec les ailes qui battent. C'est très marrant à voir, surtout quand on sait maintenant que ça marche pas, mais on sait, eux, ils savaient pas. Donc quand on sait pas, on teste. Et en fait, bah, cet esprit-là, à chaque fois qu'on a une difficulté, comme par exemple qu'on veut ne plus on veut plus utiliser de carburant fossile, comment on fait? Voilà. Et à chaque fois qu'on a des difficultés comme ça, au niveau conception, moi qui suis concepteur, c'est un champ à plein de possibilités. Et on récupère, il y a des vues d'artistes qui se font à chaque fois, mais pour vendre un petit peu le projet, et très vite on passe sur plein de concepts irréalistes, mais au milieu, on en récupère quelques qui sont un petit peu plus sexy, un peu plus réalistes, ou qui peuvent marcher. Et il y a plein de choses, tant qu'on n'a pas testé, ben on ne sait pas. Mais là, je regarde parce que j'ai vu une vidéo récemment sur. C'est en France, on peut voler dans des là-dedans. Alors, Hein? lui, c'est encore particulier, c'est pas celui que j'avais vu, mais en gros, Aéroplume s'appelle. C'est dans un hangar en Normandie, voilà. Et Ah, littéralement, on est accroché sous, t'es accroché sous un dirigeable. c'est Avec magnifique ça. des rames. Et ça marche vraiment, hein, mais qu'en intérieur. Oui, ben, pour pas avoir de vent. Hein. Voilà. Puis ça soulève une personne. Et Il ça est soulève véhiculé pour une personne. jusqu'à 80 kilos, hein. Max, Ouais, max, voilà. max, max. C'est juste la taille d'un bus pour transporter une personne. Voilà. Donc,
En vrai, ça explique aussi que pour des raisons de sécurité, enfin tu me diras le cas aussi sur les autres, ce sont des rigides. C'est-à-dire, en gros, il y a, on voit qu'il y a une armature dedans. C'est Du pas coup, quand un ballon, en gros. on le dégonfle, il y a juste de l'air à la place. C'est ça. Et d'ailleurs, ils expliquaient que bah, l'hélium, c'est très petit. Et on peut aussi, ah oui, ça doit être incroyable. On peut aussi en faire dans une grotte dans le sud de la France. Voilà. Même chose, mais dans une grotte. Ça doit être absolument incroyable. Wow. Ah, ça doit être magique, ça. Ça doit vendre du rêve. Un jour, je vous ferai un live là-bas. Oui, Mais on veut bon, ça. peut-être la co, je pense, elle sera. Voilà. Faudra être Oui. une paire de Faudra. répétiteurs Wi-Fi, quoi. C'est ça, faudra tirer un fil. Mais voilà, ça a l'air d'être incroyable. Après, j'aurais beaucoup trop peur de taper dans une colonne et de percer le truc, mais. Ah, mais. Je Mais. pense que s'ils ont fait un circuit comme ça où ils mettent des gens dedans, c'est Mais peut-être regardez, qu'ils ont un petit peu ça. sécurisé Bah, il y a quand même l'air d'avoir pas mal de trucs le au-dessus projet. qui. Bref. À moins qu'il n'y ait que le concepteur, Et qui c'est est à quand même côté de le qui prend le Montpellier. risque de le faire actuellement. Donc, si vous avez. Non, non, j'ai regardé, hein. C'est. C'est vraiment ouvert au public? Ah oui. Aéroplume, grotte de la salamandre. Et là, voilà, de 40 à 83 kilos. Donc une, ça dure 20 minutes de vol. Et c'est 73 euros. Ce qui n'est pas si cher pour l'expérience, je pense. Enfin, genre, je m'attendais, quand j'ai vu le prix, je m'attendais à beaucoup plus. Mais. J'imagine que l'heure de vol en avion est pas donnée non plus. Ou en hélico. En avion, 120. Ouais, voilà. Environ. Pour quelqu'un qui a un brevet, hein, je parle. Pour quelqu'un qui vole de lui-même. En En passager. passager, c'est encore plus cher, par contre. Pour les Ouais, c'est baptêmes de ouais. l'air et tout. Donc voilà. C'est. Mieux à voler. Pareil, ça devait être assez incroyable de voler dans dans le Grand Palais, là. C'était le concepteur, je crois, qui volait dans le Grand Palais, mais. Il a fait des trucs partout dans le monde, hein. Magnifique, le Genre. Grand Palais, il y a eu des expos, les premières expositions d'avions étaient au Grand Palais, c'était Ouais. magnifique. Pareil, là, dans le truc, ça, c'est en Allemagne, le gigantesque hangar à dirigeables, justement, qui avait été fait pour les nouveaux dirigeables, soi-disant. Et qu'au final, l'entreprise s'est cassée la gueule parce qu'il n'y a pas de marché. Et donc, ils ont reconverti ça. Je sais pas si vous avez déjà dû voir. Ouais, on n'est plus forcément dans le sujet, mais. On digresse. On digresse un Qui peu. va nous en vouloir de digresser un poil? Bah, Robin. Il a jamais Ouais. digressé, donc. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et c'est le plus grand bâtiment du monde. Et voilà, littéralement, c'est une jungle amazonienne, une jungle avec des piscines et tout, au plein cœur de l'Allemagne. Ah, ils ont fait un parc intérieur sous serre, quoi. C'est exactement ça. Avec des. Et on voit, voilà, on voit un peu la taille que ça avait avant, hein, pour des dirigeables. Enfin, quand on voit ça, on voit que c'est gigantesque. Ça doit être impressionnant, bah, en vrai, hein, par contre. J'imagine. Genre, ça doit vraiment être fou. Mais, Par rapport aux petites maisons à côté, c'est assez grand. bref, donc, tout ça pour dire que, voilà, si vous êtes vers Montpellier, vous pouvez voler dans une grotte en dirigeable. Moi, je trouve ça stylé. Mais C'est génial. ça sera peut-être la seule utilisation d'un dirigeable ou une des seules vraiment utile dans le monde actuel. Parce que maintenant, il y a toujours celui-là hein, qui vole toujours, le Zeppelin NT là. Mais comme vous pouvez voir, il est. Bon, bah, il y a une petite cabine quoi. Et c'est que pour des passagers. En fait, c'est du vol de démonstration. C'est les nouveaux Zeppelins, mais c'est pour. C'était, voilà, pour. Ouais, pour transporter des personnes au long cours, on n'est plus comme à la grande époque où ça faisait C'est des ça. transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis. C'est exactement ça. Parce qu'on utilise de l'hélium justement et que ça a beaucoup moins de pouvoir que l'hydrogène pour lever. C'est plus lourd. Et donc, bah, ça fait que forcément, là,
est beaucoup plus en difficulté. Sinon, pour la petite info et pour ceux qui restent, j'ai mis tous les liens que j'ai trouvés de ce qu'on a partagé aujourd'hui sur le channel du Gonfleur d'Hélice Ah, et merci. le Discord Pog. Je n'ai pas encore tout mis, mais parce que pendant que je parlais, c'était pas forcément plus simple. Oui, j'imagine. Ah, merci en tout cas. Mais je les mettrai. Et Je vais mettre Aeroplane. si jamais vous avez des questions, le channel de Discord est là pour ça. Donc, en profiter pour mettre Aéroplume quand même, je partage ça. Et donc, très bien. Est-ce qu'on a notre chère à 16h05, je pense qu'elle n'est pas encore live, hein. Non. Non, hein, c'est ce qu'il me semblait. She's not. Ok. Finalement, donc, tu vois, on avait bien calculé, on avait dit 2 heures. On est à peu près dans les temps, là, on est On en est train dans les de. totalement dans les temps, on est en train de dire On est obligé de légèrement digresser de pour trouver digresser, tout ce ouais. qui vole et ce qui pourrait remplacer ce dont on a déjà parlé. Et C'est pourquoi pas ça. l'hélicoptère est une aberration? C'est pas faux. Écologiquement, c'est une aberration l'hélicoptère, mais ça a tellement d'utilité que. C'est quasiment pas optimisable de la façon dont on a parlé. Voilà. On passe pas les réservoirs, les gros réservoirs, tourner à l'électrique, c'est invraisemblable. Mort. Voilà, à la limite, les hélicoptères électriques, on dirait que c'est les espèces de taxi drones les tests de taxi drones qui sont testés. Ouais, qui font 10 minutes et sont censés être en ville là où t'as pas le droit de voler. Bon, j'ai rien Voilà. dit. Pardon. Oups. Mais de toute façon, pour les hélicoptères, ça a toujours été compliqué, les régulations en ville. C'est là où il serait carrément le plus utile, mais il crée une nuisance qu'on n'arrive pas Ah, à le réglementer bruit, pour hein. l'instant. Donc du coup, ils sont interdits, point. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Ferrero Todyne, par exemple, qui était censé relier l'aéroport de JFK avec le centre de New York, qui était tout simplement un hélicoptère gigantesque. Bon, qui est incroyable, hein. Ok, pardon, mais là c'est beaucoup trop drôle par contre. Ce montage, en plus ce montage quoi. C'est mal. Hein, c'est quoi ça? C'est un montage, mais c'est beaucoup trop. Oui, ils ont mis l'hélice d'un Rotodyne, tu vois, sur un D'accord. 747. Ah, c'est ça le Rotodyne. Oui, Oui, le effectivement. Rotodyne, c'est ça. Alors c'était 13 casques, donc en fait c'était pas un moteur qui alimente le rotor, c'est des jets en fait, comme un avion réaction, mais de chaque côté. Ce qui fait que du coup, ça faisait. Littéralement le bruit d'un avion de ligne, donc 120 décibels pour se poser au-dessus des immeubles. Bon, très vite, on a compris que le projet était pas une super idée. Mais ça avait une capacité vraiment intéressante. Pour le coup. On a eu un ou deux de produits et c'était la fin. C'est comme l'hélicoptère, on est encore en train de digresser, mais l'hélicoptère soviétique là. Hélicoptère russe géant. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, je vais le trouver. Celui-là! Voilà. Et regardez-moi ce monstre. Voilà. Bon, c'était un Ça peu. ressemble à... C'est Vas-y. fou, ça ressemble à un avion. Bah, c'est dingue, hein. Mais le pire, c'est que. Littéralement, c'était juste pour montrer qui c'est qui avait la plus. Voilà, hein. C'est la guerre froide, quoi. D'accord. Mais c'est le Mi-12. Ah. Ok. Oui, du coup, il y a des téléphones depuis qui se sont mis sur le marché. Marché, ouais, voilà, terrible. Qui reprennent des noms Ça. d'hélicoptères, quoi. Alors, je vais juste regarder. La puissance, bon, 5 500 chevaux par moteur, hein, il y en a 4. Voilà, à faire. Mais surtout. Voilà, charge maximale 105 tonnes. Il pouvait emporter 40 tonnes, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est un semi-remorque, quoi, mais rempli.
qui pouvait emporter. C'est assez énorme. C'était voilà pour transporter les missiles nucléaires normalement. Mais au final, ils ont arrêté. Parce qu'en gros, c'était voilà pour pouvoir charger des missiles nucléaires dedans Oui, et les dispatcher partout en URSS. je me disais bien que c'était pour des utilisations assez spécifiques, en général que tu fais des trucs, hors normes. C'était un petit peu comme ça que la NASA a fait le Super Guppy, C'est ça. qu'on a fait le Beluga. C'est pour vraiment pour transport. On en a besoin, donc on le fait, quoi. D'ailleurs, parlant de Super Guppy et de Beluga, alors on parle complètement d'autre chose, de toute façon on a le temps. Oui. T'as été visiter déjà Aéroscopia, je crois, à Aéroscopia, ouais. Toulouse? Ouais, c'est Ouais. ouais. Ça vaut, c'est intéressant ou c'est, enfin, parce que j'y suis jamais allé, hein, personnellement. C'est très bien. Si t'es dans le coin, il y a juste à côté les Ailes anciennes, Ouais, c'est ancien, c'est très connu. qui est aussi très bien. Mais par contre, autant Aéroscopia, c'est un musée, donc c'est un petit peu ouvert tout le temps, autant les Ailes anciennes, c'est utilisé par, enfin c'est animé par des bénévoles, et il l'ouvre qu'une fois par mois, je crois. Et c'est d'autant plus intéressant. Autant le musée, t'es un petit peu respectueux, tu restes au milieu, il y a plein de choses, toutes très intéressantes. Mais aux ailes anciennes, t'as les avions, tu montes dedans, tu les manipules, et t'as les bénévoles qui t'expliquent un peu tout, quoi. L'histoire de tous les avions qui sont là. Même si certains ressemblent à des carcasses, tu montes dedans et tu vois tous les montages, et t'as beaucoup plus d'explications. Ok. Hop. Donc, je vais regarder. Ils connaissent pas, c'est à côté de l'Europe, c'est à côté de Blagnac. Tout à fait. Et au Blagnac, par là. Hein. Non, Au c'est là, je suis con, ouais. nord-ouest. Je vais chercher de l'autre côté de la ville. Et au nord, justement, je crois, de Blagnac, ouais. Voilà. Donc là, t'as l'aéroport. Si tu montes un petit peu plus, t'as effectivement Aéroscopia qui devrait être Donc là. là, ouais, on voit Aéroscopia ici. Et les ailes anciennes qui sont là. Qui Non. sont... Non, non, Ça, c'est le c'est... parking d'Aéroscopia, ça. Les ailes anciennes, c'est les petits là. Oui, c'est bien ce Petit que... en bas. J'ai peut-être un décalage sur Ouais, l'image, pardon. je pense que t'as un décalage. Que je montrais justement le... là où il y a tous les petits avions. Alors, Aéroscopie, on voit un tout petit peu le parking où il y a quelques avions. C'est des gros avions qu'on voit très bien. Vous imaginez à peine ce qu'il y a dans le hangar. Dans le hangar, il y a énormément d'avions. Le hangar, c'est l'espèce de petite banane là qu'il y a. Et là-dedans, il y a plein d'avions. Parce que on le voit pas de haut, mais le plus gros avion qui dépasse, c'est un A380, hein, Ouais, donc le plus ça gros c'est. avion passager au monde. C'est pour ça que ça paraît gros. Enfin, que ça... Oh tiens, il y en a très peu, mais en fait, ils sont très gros ceux qui sont dehors. C'est juste qu'ils rentrent pas dedans. Hein. Bah ouais, hein, 380, A340, A320, j'imagine. Il y en a à 400 m aussi, en A400M bas. en bas, Concorde, Caravelle. Clairement. Et ça, par contre, je suis beaucoup moins bon pour les avions à turboprop. De bêtement être un ATR. Ok. Mais ouais, parce que par exemple, toi, t'as visité le Bourget? Je pense quand même que t'as dû le faire. Non, Non, t'as non, jamais. je suis jamais monté à Paris pour le projet. Ah. Parce que j'allais te demander par rapport au Bourget, est-ce que ça, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Bah après le Donc Bourget, du bon, coup, je c'est ne beaucoup. saurais dire. Mais voilà. C'est vrai que c'est un truc qui me donne envie, tu vois, Aéroscopia depuis un moment. Mais à chaque fois, je suis là en mode, ah, est-ce que c'est, enfin, genre, tu vois, j'ai pas vraiment l'occasion d'aller sur Toulouse, donc est-ce que, je pense que si j'y vais, je ferai un tour quand même. Alors, Mais il y a des packages. Il y a des packages où tu prends un petit peu des ailes anciennes, tu prends du musée Aéroscopia. Dans le musée Aéroscopia, depuis le musée, il y a des visites d'Airbus ouais, mais ça j'ai déjà fait par qui sont contre. comprises. J'ai visité Airbus à Et il y a l'époque. plein de, et il y a plein de, en fait, il y a plusieurs types de visites possibles. J'ai visité Airbus à l'époque où ils produisaient encore la 380. Ah Yes. oui. Donc effectivement, il y a les chaînes de production. Mais il y a aussi toute une visite qui est spécialisée essai en vol. Ah, c'est peut-être intéressant ça.
Et bah, clairement, avoir les explications de pourquoi tout ce qui est orange et pourquoi on essaye de casser tout l'avion avant de le mettre en situation et qu'il puisse transporter des gens. C'est assez intéressant aussi. Hein. Ok. Ouais, ça peut être vraiment intéressant pour le coup. Et je suis en train de chercher. Ouais. Ah non, c'est à. Oh, non, c'est à Toulouse, c'est à Bordeaux, non, c'est pas. C'est à Toulouse. C'est à Bordeaux, il me semble. Ah, c'est à Bordeaux. Possible. Bordeaux-Mérignac. De regarder Dassault, ouais, ils sont. Ah oui, Nova Espace, en effet, c'est à Bordeaux. Ok, je crois que c'était à Toulouse. Bon, Nova Espace, c'est pas le même genre de visite, c'est pas le même prix de visite. C'est ça. C'est bon, ça va être très cool, hein, mais je préfère encore. Si la commu veut m'offrir quelque chose, commencez d'abord par un vol en dirigeable dans une grotte. Après, on verra le reste. Je suis pas, franchement. C'est bien raisonnable. Bah ouais, faux, hein, parce que. Bref. Pour la petite info, Alice a lancé. Ah, Alice a Elle est lancé. pas, elle Et un est, elle est timer de encore 12 là. minutes. C'est Ok. ça. Elle est encore sur l'écran d'attente. Bon. On va attendre. On va attendre. C'était quoi ça? C'était justement, c'était le. Parce que je vois le premier, le Beluga. Enfin, c'est pas un Beluga, mais c'était quoi déjà ça? Le. Celui-là, Super Guppy. Super Guppy. Mais c'est un Boeing à la place, à la base. C'est par Boeing, ouais. C'est par Boeing et en plus a acheté directement ceux de la NASA que la NASA avait commandé à Boeing de faire, mais qu'ils n'utilisaient plus trop pour les transports de pièces. Donc là, comme on voit, c'est toute la cabine qui est décrochée. Ouais. Et le truc qu'on se rend pas compte, pour ceux qui savent pas, c'est que ben, entre la cabine et le reste de l'avion, il y a plein de choses qui sont censées être accrochées, autre que de la structure et quelques vis. On voit déjà tous les câbles. À cette époque-là, bêtement, les commandes étaient à câble. Entre le manche à balai, là, qui permet de. Et les gouvernes, ben, y a des câbles. Et donc, avant d'ouvrir la porte, il faut décrocher tous les câbles, qui sont Oh tous en la vache. double ou en triple selon les gouvernes, qui Oh donnent toutes les gouvernes des ailes ou autres, et donc ils sont décrochés, et après bah, on referme la porte et on les raccroche tous, tu on les m'étonnes remet que en les tension. belugas ça tu m'étonnes que les belugas sont plus efficaces que ça. Donc là, oui, ben, sur les Belugas, on ouvre aussi la porte devant, mais la cabine est en dessous de la porte qu'on ouvre. Un petit peu sous le pont là, et ça permet que les fils électriques, parce que là il n'y a plus de câble, c'est directement de la commande électrique, que les fils électriques restent tout le temps accrochés, que la structure soit là et que il est juste là. Forcément. Bah oui. Évidemment, évidemment. Même temps, qu'est-ce que je suis débile. Voilà, ça fait ça maintenant. Alors ça, c'est même sur le XL, mais. Ça, c'est le dernier, ouais. Ouais. Il y a eu un concours de peinture en interne, de design pour comment on le peint? Et forcément, le gars qui a eu l'idée de mettre le sourire et les yeux, c'était un génie, quoi. C'était tout bête, mais super efficace. Il a quand même une gueule marrante. Mais oui. Ça fait du. Pas du soft power, ça fait de matière pour la com. Mais totalement. Mais ils ont. Ouais, Vas-y. non, je t'en prie. C'est quoi la différence entre le XL et le. Et le. Le normal? Alors, C'est juste. déjà la base de l'avion est pas la même. Ils sont pas partis du même type d'avion. Il faut comprendre que pour faire un Beluga, le Beluga, comme c'est à usage interne Airbus, c'est fait sur fonds propres. C'est pas des trucs qu'ils vont vendre derrière. Donc c'est une dépense pour le développement qui est totalement fixe et qui n'est pas remboursée.
qui est remboursé juste par les économies qu'ils font à pas avoir à transporter différemment. Et donc, ils partent sur des avions, sur une base d'avions qu'ils ont déjà. Le premier Beluga, c'est l'A300-600ST, Ouais, qui, comme de son nom, donc ST, c'est pour super transporteur. Et comme son nom l'indique, ça part d'un A300-600. L'A300, donc ils ont pris l'avion et ils le fabriquent en entier, ils le découpent et ils rajoutent le volume supérieur, la porte, ils changent l'arrière. Ok. Ah, et puis je vois Et pour ça fait le... ça. Et pour le XL, ils sont partis d'un A330, Ouais, c'est si ce je que ne je dis suis en pas de train de voir. bêtises. Ouais, Ouais, ça. c'est ça. Ok. Et pareil, ils produisent la 330 en entier. Et après, ils le découpent. Bon, c'est... Bon, ça, c'est logique, hein, mais... Ben, c'est la façon industrielle la plus simple quand on a un truc qui est déjà fait pour pas avoir un avion, tout le reste de l'avion à faire spécifiquement. Trop bizarre, genre juste le fait que on voit bien l'avion, genre il a la forme de l'avion de base, et puis là, hop, c'est coupé et on a fait pencher le nez vers le bas, littéralement. Enfin, c'est C'est trop. ça. Mais genre, j'imagine que les trains doivent être renforcés, etc. Ah, quoique, il n'y a pas de passagers. En fait, il y a un truc bizarre qui s'est vu dès les premiers vols, c'est que et que dont on s'a, auquel on s'attend, il s'attendait pas du tout, sachant que le Super Guppy était plutôt considéré comme une enclume, ce qui veut clairement dire que il avait du mal à voler et que les moments de décollage et d'atterrissage étaient assez horribles. Mais ils se sont aperçus que la forme avec le deuxième gros section ronde au-dessus de la petite apportait un peu plus de portance que l'avion de base. D'accord. Donc du coup, ils volent un peu mieux à basse vitesse. Pour essayer de voler à la même vitesse, il a besoin de consommer plus parce que bah forcément il y a beaucoup plus de prise à l'air. Mais à basse vitesse, en fait, il vole mieux qu'un A300. Je sais pas ce qu'il en est de là pour la partie XL par rapport à la 330, mais globalement, cette forme-là n'est pas si horrible que ça, voire elle est même plutôt bien pour les atterrissages. Et donc, du coup, je sais pas si. Alors, il y a peut-être besoin de train un petit peu renforcé pour le poids, Là, c'était marrant ça, mais... Mais je garantis pas qu'on ait beaucoup plus de poids à transporter que quand il y a des passagers. En fait, il y a beaucoup de volume, c'est clair. Le poids, je sais pas à quel point il y en a beaucoup plus. Je sais pas si tu peux regarder ça, Bah, mais je c'est regarde, là... ouais. Poids... Masse à vide... Non. Masse maximale au décollage... À l'atterrissage, 140 tonnes à l'atterrissage. De 47 tonnes de charge, mais on va regarder, elle a 140 tonnes et un A330. C'était la série 400, je crois. 700. Sauf que c'est le Beluga, justement, qui sont là en mode 700. Donc, Le billet 330 tout court, ouais. t'auras toutes les variantes, j'imagine, dans le Wikipédia qui va avec. Bah, de toute façon, ça doit être marqué de quel truc il a dérivé réellement. C'est la 330, mais c'était en 2000, 2016. Donc, 2016, 2016. Ouais, bon, ils sont encore un peu tous produits en fait. Du coup, j'aimerais bien les caractéristiques techniques. Ah, voilà. Donc, on va regarder sur le n'importe 800. Basse maximum à l'atterrissage. Et est plus lourd. Le. L'avion à passager est plus lourd. L'avion passager est plus lourd, ouais. Ah, t'as vu comme quoi, hein? L'atterrissage. On se fait. Le volume est impressionnant, la masse n'est pas forcément très très différente. Alors, où en est notre très cher
Alice. Elle a lancé depuis 13. Ça ne devrait pas trop tarder. On va regarder. Ouais. Alors vous allez voir son live. Ah, forcément la pub. Ah, elle vient de dire dans le chat, on va commencer. Je pense qu'on peut se motiver. Ok. Envoyer nos 7 viewers. Alors, on va envoyer nos viewers là-bas. Donc, pour la suite, elle va vous parler de Spatial. C'est dans le cadre de la fête de la science. Voilà. On se relaye entre membres de PogScience. Donc là, on vous envoie chez Space Tomatoes, qui est très cool. Et qui vient de sortir un livre. Mais elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et voilà. Et on va choisir une bonne phrase de Red. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je sais pas, voler vert mais pas trop. Voler vert mais pas trop... Oui, ça peut. Non, Dr. Pepper, vous n'êtes pas obligé de marcher, on vous téléporte là. On vous téléporte, ne vous inquiétez pas. On a investi dans Portal, donc ça passe. Mais t'as une autre idée? Non, j'en ai pas. Bon, allez. Voler vert, mais pas trop. Ah, attends, non, j'ai mieux. Ah. Attends, si, enfin, c'est la même chose que toi. Ah, bien, bon, mieux. Mais juste, voilà, parce que juste pour, elle va se poser la question de pourquoi des volets. Oh, magnifique. Donc voilà. Ça va être ça, notre phrase de Red, voilà, ça va mieux quand je mélange pas les deux mots. Et je vous envoie là-bas, si je... Alors, slash Red, Space, Tomalis. Oui, ça marche. Bravo. À tout à l'heure sur une autre et chaîne ben, et dans le chat. À tout à l'heure, ouais, voilà, portez-vous dans le chat. Bien, il y aura encore des lives demain. Oui, il y a des lives 13h. Demain des 13h avec, on a le flot Corentin, le flot de l'histoire, non, il fait un truc, je crois. Le flot de l'histoire, puis chercheur des montagnes. Puis chercheur de montagne. Il y aura certainement pas le collectif conscience. Et s'il y a le collectif conscience, vous me verrez dedans. On ne sait pas encore. Donc, plutôt que voilà, il y aura peut-être, peut-être pas. C'est la surprise du chef. Voilà, un peu, ouais, un peu de piquant dans la vie. Donc voilà, on se retrouve peut-être ce week-end. Et je vous envoie maintenant. À plus. À plus. Hop, et je mets ça.